Bien le bonsoir. Coucou Néo, coucou Princesse, coucou Yasmine, coucou Suki, coucou Tipeee, coucou Carole. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à batteler? Ah bah tiens, je vais lancer direct le... Jette un sou au sorceleur, au fertile vallée, au fertile vallée, oh, oh, oh. Jette un sou au sorceleur, au fertile vallée. Merci beaucoup Maëva pour ton 20e mois, merci à toi pour ton prime. Et bonsoir, coucou Mélo. Mais toujours. Jette un sou au sorceleur, au fertile vallée, au fertile vallée, oh, oh, oh. Jette un sou au sorceleur, au fertile vallée. Oui, battle, c'est la guerre. C'est la guerre. Merci, Tipeee. Pour ton 11e mois, t'as bientôt un an. Merci. Tu m'as fait peur. Oh, ma gosse. Oui, Victor. Un charou. Coucou, Victor. Coucou, mamie. Comme d'hab, vous n'êtes pas obligé de voter pour votre team et mettez le maximum de tentacules. Comme ça, c'est plus fun. Un chat. Un chat roux. Victor, le chat très stressé. Oui, j'ai ouvert la fenêtre, Victor, si tu veux faire la commère. Bon, et ben en tout cas, j'espère que vous allez bien. Berlu, tu peux enlever ce ventilateur de mon champ de life, s'il te plaît? C'est pas très professionnel, quand même. Oh, il va la tous, vraie star. Il va tous nous les emmener un la par un. La vraie star. Au secours. Le voilà. C'est lui, la star. La mascotte. Oui. Non, mais ça va. Dis-le, je suis la star. Laisse-le tranquille, ce pauvre chat. Bon, on a 35 colos à regarder ce soir. Et une cinématique qui fait 3 minutes 42. Donc, c'est, ouais, elle est longue, quand même. Presque 4 minutes de cinématique. Coucou, Elsa. Et du coup, c'est l'avant-dernier. La prochaine battle sera le dernier choix que vous aurez. Après celui-là. Voilà, voilà. Oui, tapis. Team 2 pour princesse, du coup. Très bien. Je vois pas encore vos votes apparaître. Faut le temps. Team 1 pour Yasmine. J'ai voté, mais pleure pas. Bon. Et ben moi, du coup, pendant la demi-heure, je vais commencer à mettre en couleur le dévoreur d'intellect. Et puis voilà, on va papoter tranquille. Vous allez faire un colo, vous, ce soir, ou pas? Je sais que, en général, on colo pas beaucoup sur ces streams-là. Mais est-ce que vous vous êtes prévu quand même un petit truc détente? Merci, Néo! La fin, ouais, bientôt, bientôt. Eh, t'as vu, Maëva? Franchement. Après, c'est un peu... Je l'ai un peu sauvée, quand même. Je l'ai un peu sauvée à des moments, parce que, en vrai... Il y a eu des moments où elle aurait dû... Hein. On va mourir après la cinématique. Vous allez faire deux arrêts cardiaques pendant la cinématique. Il y a deux moments où vous allez faire... Bonsoir, Athénienne. Sacrifice ultime, c'est parfait. C'est ça l'énergie de la battle, c'est le sacrifice. Athénienne, je t'ai envoyé le colo du colo histoire sur Insta. Je sais pas si t'as vu. Tu crochettes, ok, trop bien. Bon appétit, Maëva. On regarde à 20h30 hein, les colos, si jamais. Ok, et bah écoutez, je vais commencer à mettre ça en couleur pendant que vous votez gentiment. Aujourd'hui, j'ai pas tant colo, j'ai fait quand même si j'ai réussi à faire le colo histoire. Mais comme j'étais à la piscine cet après-midi, j'ai pas beaucoup colo. J'ai un peu dessiné ce matin. Le vote, bah il est en ce moment, bah Eva. Jusqu'à 20h30. Il y a un médecin sur le stream. Est-ce que quelqu'un a une formation pour faire des réanimations, sachant que ce sera réanimation d'une dizaine de personnes en même temps, à cause de la cinématique Néo. J'ai le train qui s'affiche. Soit essaye d'actualiser peut-être Maëva. On a Elsa, Tipeee Team 1. Ok.
Ouais, il y aura deux arrêts cardiaques. Donc ça fait beaucoup en 3 minutes quand même. J'avoue, j'ai un peu jubilé sur celle-là. J'étais un peu en mode... J'ai le PS1, c'est mieux que rien. Ah non, Léo. Non. Enfin si, moi je suis sérieuse, hein, vous allez... Là, les deux derniers choix... Je vous ai pas gâté, hein. Mais en vrai, la conséquence de ce soir, il y a une des teams qui était vraiment le pire choix à faire. Est-ce que vous l'avez fait? Peut-être. Est-ce que c'est pour ça que je jubile? Peut-être. Ou pas. Vous verrez tout à l'heure. Oui, ça affiche princesse. Ouais, je le vois. Je vois que t'es team 2. Ah, c'est ça, Maeva, ok. Je sais jamais par rapport au téléphone et au... Nickel! Bah écoutez... On part là-dessus. Ouais, on le voit, princesse. C'est tout bon, t'inquiète. Je sais pas pourquoi je pars sur du rose aussi vif. Mais En vrai, pourquoi pas. J'ai ouvert la fenêtre parce qu'il fait un peu chaud. Puis je voudrais éviter de mettre le ventilo comme d'hab pour pas vous... Pour pas vous casser les pieds, ce serait mieux. Et cette fois, j'ai un petit peu optimisé l'écran battle. Parce que la dernière fois, c'était... En vrai, c'était pas mal. C'est juste que, du coup, les replayers, le chat était un peu coupé par Ella. Du coup, il y aura plus Ella. J'ai opti. T'arrêtes de m'envoyer des messages, je suis en live. Je suis en live et t'es à 2 mètres de moi. Tu m'envoies des photos de qui, là? Qui est-ce? C'est qui est sur le balcon? Oh, trop chou! Regardez. Du coup, je vous montre. Je vous implique dans cette histoire. Oh. Ils font presque ami-ami, Victor et Loki. Presque. Oui, sur téléphone, c'est ça. C'est sur les tentacules. Oh, je... messages. Oh, trop chou. Va prédire tes tentacules, toi. T'en as au moins? Bon, oui. Bon, oui. Je crois que j'en ai 15 000. Ça va, hein. Oui, trop cool. Bah, ça va, pousse mon micro, pousse tout, je te dirai rien. Non, mais... On en est là. Ouais, tapis pour Suki. En vrai, c'est plutôt serré, hein, comme battle. Moins serré que la dernière, mais c'est serré quand même. Et du coup, il n'y a... Parce que vous savez, il y avait deux bonus mystères. Il n'y a qu'une personne qui a eu les deux. Voilà. Donc les deux ont été trouvés. Certains en ont un, les autres en ont un autre. Mais il y a une personne qui a les deux. Donc il rapportera 6 points à son équipe. Ce qui est pas mal quand même. Coucou So. T'es de retour, oui. Tu live demain, Suki, on est d'accord? C'est la battle! Bah oui, attends. Je suis là un mardi. Oui, l'histoire des... Non, c'est pas Néo, Mélo. Non. Néo, de mémoire, je crois qu'elle en a pas. Non, c'est pas Néo. Vous verrez. Je l'ai mis à la fin pour le suspense, mais normalement, vous saurez déjà les deux bonus d'ici là. Mais en tout cas, GG à elle. Hein. Mais je pense qu'en plus, enfin, je vois qu'en plus, il y a eu une démarche de chercher le bonus. Genre, je pense qu'elle l'a... C'est pas qu'elle l'a... Enfin, c'est pas tombé en mode « Oh mince !» Non, c'est... À mon avis, elle l'a quand même un peu cherché. Elle a cherché à voir ce qui avait un rapport avec l'histoire et elle a trouvé. Je trouve ça très cool. Elsa, je sais plus. Je t'avoue, je sais plus. Bien beau, cette bête cérébrale. Une bête cérébrale. J'aime beaucoup le terme. C'était trop rigolo à colorier. À dessiner, pardon. Ouais, c'est ça, So. C'est ça. C'est Us, tu sais, le petit cerveau qui se transforme en chaton. Mais du coup, là, je fais pas Us, parce que Us, elle a des couleurs très particulières. Elle est violette et verte. Et là, je le colorie comme un normal. C'est vraiment des monstres quelconques. J'essaye pas de faire un quelqu'un de connu.
Merci Sandy Lee. Sandy Lee, je t'ai dit bonjour. Non. Bonjour Sandy Lee. T'as pas cherché, mais c'est pas grave. Vous aviez... Enfin, vous étiez pas obligé. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu un bonus. Oh, beaucoup, je dirais pas ça en vrai, Yasmine. Non. Non, vous êtes une minorité à avoir eu un bonus, honnêtement. Vous verrez ça, mais... C'est pas ce qui a tranché entre les deux teams, honnêtement. Il n'y en a pas eu tant que ça. Coucou Ama. Un petit cerveau sur pattes. Coucou à ceux qui rejoignent, installez-vous. N'hésitez pas à voter, vous avez encore 20 minutes. En attendant, je colo un peu, et après... Battle! Vous me direz si jamais ils font trop de bruit dehors. Que j'aille pousser une gueulante. C'est faux. Mais c'est trop bien de faire un mystère. En vrai, t'as pas juste fait un mystère. T'as fait un colo exprès. Moi, c'est comme ça que je le vois. Juste un mystère... C'est dénigrer le mystère. T'es pas la seule, en plus, à avoir fait un mystère. Mais y a aucun problème. Hein. C'est pas parce que c'est un mystère que vous pouvez pas avoir les bonus. Il y a moyen en vrai. Il y aura des bonus normaux sur la prochaine battle. Je sais pas s'il y aura de bonus mystère. Je vais voir. J'ai pas réfléchi. Il y a un bonus pour chaque team qui est différent. Je sais pas s'il y aura un bonus mystère honnêtement. Peut-être pas. C'est la dernière battle qui va être un peu chelou. Coucou Lia. Enfin un peu très chelou même. Bah non, sur... c'est vrai Elsa, faudrait pas. Imagine. Imagine après à Hitboud. Oh ouais, j'en ai fait deux ce matin. Hop, j'ai travaillé ce matin. J'ai fait ça, une araignée de phase. Ça, c'est trop fun à colorier. J'ai pas d'explication, mais dessiner une araignée... Putain, j'ai du mal avec le terme dessiner. Dessiner une araignée, c'est très drôle. Voilà, j'aime bien. Je les ai pas ancrées en fait, je vais voir parce que... En fait, je pense que j'ai pas besoin de les ancrer. Sachant que là, je vais les mettre en couleur, je pense. Mais j'ai pas besoin que ce soit au stylo. Et puis pour les prendre en photo, je pense que si je prends une bonne luminosité, je l'ai pas encore fait, mais je pense que ça devrait suffire au crayon de papier. Et j'ai fait une bullette. Alors la bullette, j'ai prévu un peu trop court. Du coup, bah, elle est un peu coupée. Donc faudra terminer la bullette en digital pour lui finir sa queue, parce qu'elle dépasse. Voilà. J'ai fait ça ce matin. Ah, le HP, faut que je le fasse aussi. Je doute que Blanche-Neige soit un bonus. Bah, le bonus, ça peut être, je sais pas, personnage femme. Ou ça peut être cheveux noirs. Ou ça peut être... On sait pas. Robe, pourquoi pas. C'est sûr que Blanche-Neige, vraiment, c'est... Celui d'avant, c'est un... Une bête éclipsante. C'est ce dont je vous parlais samedi. C'est l'espèce de chat avec deux queues. Je sais pas si on peut appeler ça des queues, mais... Voilà. On en voit un seul, mais j'avais envie de dessiner ça. On en voit littéralement un seul dans le jeu, mais... Tranquille. Ouais, j'aime bien cette créature, elle est belle. Ça ressemble un peu à Ella, enfin comme Ella se voit. Mais en vrai, elle ressemble pas tout à fait à ça. Elle est un peu plus ronde. Mais j'aimerais bien le refaire en mode trop cute. Je le ferai un jour en mode mignon. Merci Elsa. Mais en tout cas, je suis contente, je suis rassurée parce que j'ai fait le line du spectateur là sur tablette. Alors c'est long à faire, je vais pas vous le cacher, je suis plus longue en digital qu'en tradi, mais bref. Et j'ai essayé de l'imprimer et j'aime bien ce que ça rend. Alors il est pas fini, là il y a pas les fioritures, c'est que les contours et tout, faudra reprendre tous les petits détails, etc. Mais en termes de propreté, alors l'impression est dégueulasse parce que mon imprimante est pas... voilà. Mais je suis contente, c'est assez fin. Mais ça va, genre je trouve que c'est pas... ça fait pas bizarre et tout. Et au niveau de la police, j'aime bien aussi. Peut-être ce sera celle-là, peut-être pas. À voir, mais en tout cas j'aime bien. J'aime bien ce que ça rend. Il y aura plus qu'à faire... Je pense que je vais tout faire déjà en papier.
Et après, je ferai tout en digital à la fin. Ce sera la dernière étape. L'étape un peu chiante, mais il n'y a pas trop le choix dans tous les cas. Puis je pense qu'à force de le travailler, le digital, ça ira plus vite. Voilou, voilou. Donc là, je vais faire un maximum de croquis. Ouais, le line... Bah, genre, j'ai regardé un petit peu, du coup, en format A4, j'ai regardé un petit peu par rapport à nos livres. C'est un tout petit peu plus fin que du Kirby. Voilà. Mais c'est pas non plus... C'est pas hyper fin. Parce que c'est quand même agréable d'avoir un line qui a une certaine épaisseur, je trouve, à colo. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Coucou Matt, j'adore les paillettes, hein. J'adore Wizbot. Merci Tipeee d'ailleurs pour Wizbot, j'ai vu. Merci de l'avoir abonné. C'est le cousin de Francesca. La fameuse. Elle aussi c'est la mascotte, quelque part. J'ai chaud. J'ai chaud. Ouais, il a retrouvé ses émotes, c'est ça. C'est mieux quand même. Sinon, j'ai réfléchi un peu depuis samedi à comment ça se passera au niveau de l'envoi et tout. Du coup, j'hésite. Je me suis renseignée un petit peu par rapport à Amazon. Amazon, le souci, c'est que pour leur envoyer des stocks... Ça a l'air d'être un peu le bordel. Genre, il y a tout un truc de papier, de dimension, de blabla. Ils prennent tant de pourcents, ils prennent tant de pourcents sur ça. Enfin, ça a l'air un peu chiant. L'avantage, c'est qu'ils vous enverraient directement à votre adresse. Donc, ça m'empêcherait de devoir me bouger pour aller à la poste et tout. Donc, Amazon, en vrai, moyen. Ça me m'emballe pas trop. Deuxième solution, la plus simple, puisque la plupart des gens font, genre... Amandine Young, Clara, tout ça... C'est le faire juste soi-même, en fait. Juste acheter des cartons et vous les envoyer manuellement. Sachant que j'habite à côté de la poste. Donc, c'est pas non plus un truc qui va me... Voilà. Ça va pas m'embêter. Je sais bien que je vais pas vendre 10 000 bouquins. Donc, en soi, si je dois me déplacer et faire à chaque fois les cartons, je pense que c'est une question d'habitude. Je pense. Donc ce serait sûrement comme ça. Après, sur quoi vous achèteriez? Je sais pas trop encore. Il a enrichi ses réponses, oui. Ouais, Wizbot, t'as vu, il parle avec Neo. Il communique entre eux. Et quoi, oui, il cause avec tout le monde. Une campagne Ulule. Je sais pas. Ouais, c'est beaucoup Elsa, attends, j'ai même pas vu. Ah oui, il y a quand même du monde pour les deux, ok. Les restrictions de zone de livraison. Eh ben, si c'est en France, j'imagine que... Faudra que je me renseigne sur les tarifs d'envoi, sachant que c'est pas très lourd. Mais juste, tu paieras plus de frais de port, à mon avis, pour la Suisse. Quoique la Suisse, c'est vraiment très près de chez moi, donc ça se trouve, tu paieras pas plus, je ne sais pas. Ça faudra me renseigner, enfin ce sera à moi de me renseigner, ou juste ça se rajoutera j'imagine. Sinon il y a une autre chose qui serait plus simple pour moi et pour un peu tout le monde, mais je suis pas sûre que ce soit légal, c'est de passer par Vinted. Je suis pas sûre que ce soit légal, parce que Vinted c'est pas fait pour ça normalement. Ça fonctionnerait parce que, bah en plus moi ça me ferait pas payer de frais de port, c'est pas mal. Mais je crois qu'on a pas le droit de vendre des créations sur Vinted. Faudrait que je me renseigne bien avant de... Voilà, voilà. Mais après, ouais, pour la campagne Ulule, je sais pas. Après, c'est pas tant pour avancer des sous que ça m'inquiète, c'est plus pour l'acheminement. Où est-ce qu'on envoie? Comment on envoie? Où est-ce que vous donnez des sous pour acheter le livre? Je ne sais pas. Etsy... Non. Etsy, trop compliqué. Etsy, franchement, je me dis... Ils te prennent des sous... Et en plus, c'est toi qui dois envoyer toi-même. Donc, enfin, ça sert à rien, en fait, clairement. C'est juste une vitrine, mais je crois pas qu'on ait besoin d'une vitrine. Est-ce que ce sera un truc genre un peu entre nous, entre guillemets? Je ne sais pas. Ouais, j'y ai réfléchi un peu, mais pas de ouf, quoi.
Un site internet, c'est pareil, ça a des frais. Mais oui. Dans l'idée, oui. Il faudrait. Ouais, grave, Yasmine. Au pire, je te le file direct comme ça, hein. Ça va plus vite. Allez, voilà. Bah, c'est vrai qu'on est pas si loin, techniquement. Il est 20h20 et tout va bien, vous avez plus que 10 minutes pour voter. Elle est passée par Mondial Relais, ouais. Je sais pas. Parce que c'est pareil, au-delà du problème d'envoi, il y a le côté... où est-ce que vous l'achetez ? Ça peut être ouais directement sur un site dédié. Ouais. À voir. Livré dans un point relais. Ouais, je vois. Bon, il y a le temps encore. Mais je commence à y réfléchir quand même. Parce que... Ouais, exactement, Néo. Ça s'éclaircit, on va dire, au fur et à mesure. Déjà, le digital, ça m'a un peu rassurée. Je me suis dit, bon, ça va. Là, je vais faire un max de croquis, trier ce que j'aime bien, ce que j'aime pas, voir ce que je dois modifier. Après, je les reprends en digital. Déjà, simplement, et après, avec les petites fioritures et tout. Et après, on passe en mode... Où c'est qu'on vend ça? Et puis je vous filerai des freebies, hein, bien évidemment. J'aime bien ce papier. Pas encore, Sandy. Bah, les deux que j'ai fait ce matin, j'ai pas eu le temps cet après-midi. Faut que je le fasse. Bon, la bullette à colorier, c'est pas le truc qui m'emballe le plus. Quoique, il y en a qui ont des beaux reflets. Mais l'araignée de phase, ah, j'ai trop hâte de la colorier. Ça a des couleurs, ce truc, c'est trop beau. C'est une araignée, hein, mais... non, j'ai pas demandé croque-mou, c'est vrai. Après, j'imagine que tout est une question de... comment t'appelles le livre et de comment tu fais ton truc, je pense. Je suis vraiment en train de me tartouiller un cerveau. Est-ce que je peux le dire? Je peux dire ce terme? Je tartouille un cerveau actuellement. Est-ce que je suis en droit de dire ça? Je pensais pas le dire un jour, mais... En vrai, il est rigolo à colorier. Il était rigolo à dessiner aussi. Petite bestiole bizarre. J'ai regardé beaucoup de photos de cerveau pour en avoir un pas trop mal. Et ben c'est très perturbant. Je l'ai fait au taf en plus. Mon collègue m'a un petit peu jugée. Je vais donner les caractéristiques des dévoreurs d'intellect, genre classique, et de ceux de Baldur's Gate qui sont un peu différents. C'est un hybride en fait, celui-là. Il a des caractéristiques de Us, mais c'est pas Us. Coucou Coco. Je voulais l'être à une période. Ce serait une très mauvaise idée que j'ai un dermo. Tu me connais, moi, et mes idées... tu sais, genre où j'ai un petit truc dans la tête et puis hop, faut que ce soit fait. Si j'avais un dermo à la maison, laisse tomber. J'aurais les jambes entièrement tatouées de... J'ai testé ça, j'avais envie de ça. Oh mon dieu.
Quelle mauvaise idée. Je ne serais pas raisonnable du tout. C'est ça le problème. Il est mignon ce cerveau. Oui. C'est vraiment des bestioles bizarres. En plus, elles parlent. C'est ça qui est perturbant. Tac. Très cute. Oui. Hop là. Allez, je voudrais au moins finir la lumière là-dessus. Et puis après, on a 35 colos à regarder. Ceux qui nous ont rejoints, vous allez faire un truc ce soir ou pas? Ou vous allez rester juste à regarder les colos tranquille? Ce qui est bien, en vrai. Bon, l'heure que la fleurie, bonsoir. Trop cool. Coucou Aurélie. J'espère que tout le monde a eu le temps de voter. Cela, ça va arriver à la fin. Bon, bah en vrai, peu importe la team qui gagne, il y a quand même des tentacules. C'est cool. Je suis contente quand c'est comme ça. Je suis en train de penser au... J'ai trop hâte que vous voyez la cinématique. J'ai trop envie de vous en parler. Au secours. Venez, on la regarde avant. Tant pis pour le suspense, c'est bon. Je rigole, bien sûr. Ce serait con, quand même. J'ai peur. Tu peux. Je me languis, mais moi aussi. J'aimerais trop voir vos réactions, en fait. Ah, un petit Spooky Town, trop bien. Oh, ça fait 100 ans que je suis pas allée dans le Spooky Town. Faudrait que j'y aille. C'est du bien de sortir les crayons, je les ai pas sortis de la journée. Parce que c'était au feutre, mon colo de cet après-midi. Enfin, il était chouette à faire, mais... J'ai kiffé écrire l'histoire, j'espère qu'elle vous plaira. En fait, je me suis inspirée d'une histoire qui existait déjà, mais je l'ai un peu refaçonnée à ma sauce. C'était hyper drôle. Je l'ai écrit ce matin. Je voulais pas le faire aujourd'hui, le colo histoire, et puis ce matin, j'ai eu un petit pic d'inspi au boulot, en pleine presta. Je sais pas pourquoi, ça a fait ding dans ma tête. Et je me suis dépêchée de l'écrire avant que l'idée, elle se sauve. Et c'était trop drôle à enregistrer et tout. Interdit de fantasmer devant le frère des Térinia. Ah, vous arrêtez, hein. T'inquiète, je l'ai remplacé par quelqu'un de moche. J'ai mis une patate sur sa tête, t'inquiète. Ah non, alors c'est pas crise cardiaque. Je vais pas vous surprendre avec un screamer, hein. Je me permettrai pas. Non, y a pas de screamer, c'est juste... Y a une révélation qui va vous faire faire un arrêt cardiaque. Et le choix... Oui, c'est un de mes dessins, Aurélie. Et le choix pour la finale, c'est terrible. Voilà. Non, c'est ça. C'est juste un côté émotion. Il y aura pas de screamer, hein. Vous inquiétez pas. Non, je ferai pas ça quand même. Traumatisme du fantôme. Ah oui, c'est vrai. Je l'ai même pas fait exprès. Je te jure, je l'ai même pas fait exprès celui-là. J'avais oublié. Le fantôme. Tu veux notre mort. Mais non. Ce serait contre-productif. Mais non, je veux pas une commu de fantôme. La meuf tue sa commu.
vraiment la pire façon de faire sa promotion. Quoique les histoires sordides, ça marche bien. Faut qu'on soit un peu plus sordide. C'est quoi ça? C'est bizarre de l'avoir fait comme ça. Ce qui est bien en fait avec le fait de les mettre en couleur avant de les reprendre en digital, c'est que je vois ce qui va pas au niveau du coloriage après. Là vous voyez, j'ai fait cette bosse, elle devrait pas être dans ce sens là, elle me perturbe pour mon colo. Donc celle-là, à mon avis, elle va soit virer, soit je vais la faire un peu plus tourner vers la droite. C'est trop bizarre de l'avoir dans ce sens-là. Ok, et bah il est pas mal, il est mignon. On finira après son effet peau. Et un petit fond. Moi bon, je fais des petits fonds à l'encre tout bête. Hein, parce que... Et bah écoutez, c'est bon, tout le monde a voté. Nickel, bah j'espère que vous êtes prêts. Prêts. Hop. Moi je vais disparaître, ma tête va disparaître, pas moi, je vais rester là quand même. Je vais pas vous laisser comme ça. Hop, allez, on passe en mode écran de battle. Hop, et hop. En fait on est de retour sur l'écran du live jeu. J'ai juste enlevé la webcam parce que bah, j'ai envie de dire que c'est plus intéressant de voir le colo en entier. Vous me direz si c'est ok, normalement ça allait mais... Vous me dites si jamais vous voyez pas le chat ou pas le colo. Vous me dites, vous n'hésitez pas. Normalement, j'avais bien préparé le truc. C'est tout bon, nickel. Comment ça, Athénienne? Parce que c'était un peu tard, Coco. C'était un petit peu tard, on finissait à chaque fois assez tard et puis... Enfin, genre autant faire qu'une demi-heure, tu vois, j'ai déjà pas le temps de faire un colo, donc en vrai, 20h30, c'est pas mal. Je suis pas prête, et bah dépêche-toi. Alors, on commence... Ah, attendez, par contre, faut que je décale un petit peu pour moi, parce que sinon je vois pas les pseudos. Bonsoir, Weiwei. T'arrives pour la première participation, bah je vois que t'as eu le temps de voter, c'est bien. Donc Clochette qui nous a fait un petit son de taureau à nouveau, elle en avait fait un aussi le mois dernier. Et on commence du coup avec la team Volcan. Oui, Volcan sans bonus, je vous ai pas mis les bonus tout de suite. C'est un livre son de taureau, je pense. J'ai oublié, ouais je vois ça, Berlu, non mais bravo, c'est pas grave. Y avait des mises de tous les côtés, c'est pas grave. En tout cas Clochette, si t'es là ou si t'es en replay, n'hésite pas à nous dire en commentaire si c'est dans quel bouquin. C'est vrai que son taureau c'est hyper mignon, mais je crois que tu me l'avais dit pour la dernière fois, je sais pas si c'est le même. Mais ouais, il existe des livres de colo son taureau, et c'est très joli. C'est vrai que le personnage est vraiment mignon, j'aime bien aussi. Bah j'ai le livre dans lequel j'écris les battles qui est son taureau d'ailleurs. C'est très mignon, c'est un petit côté un peu dark quand même le style, mais... Ouais, c'est un volcan. Ouais, elle a fait un effet volcan avec la fumée, etc. C'est son premier effet volcan. Vous allez voir qu'il y a plein d'effets volcans différents ce soir. Désolée pour la course de bagnole derrière moi. C'est... le pire bruitage. Ouais, ça fume, hein, carrément. Et bah, merci beaucoup, Clochette. J'aime bien les teintes un peu grises, vintage, comme ça. C'est très stylé. Merci beaucoup. On passe à la deuxième participation, celle de Coco. Coco qui nous a fait une montagne sans bonus avec... Ah, c'est dans quel bouquin ça? Ah, ça y est, je vais sécher. Oh non, je vais sécher au deuxième. Enfin, même au premier techniquement. Oh, j'ai jamais été si mauvaise. Je suis sûre que quelqu'un va reconnaître l'élu. Le chibi? Le chibi de qui? Le dernier peut-être. Oui, de Hachette. Ok, ouais, je vois. Je sais plus comment elle s'appelle l'illustratrice, mais oui. Oui. Ouais, elle est super mignonne, carrément. Très très chou. Puis la montagne, en vrai, elle est très présente. Hein. Elle est assez énorme, en fait. Le chibi Hachette, ça marche. Très très mignon. On a des paillettes dans le ciel, en plus. Alors, c'était pas le bonus mystère, paillettes. Mais ça aurait pu. C'était pas non plus personnage féminin, puisque là on vient d'en voir deux, donc c'était pas ça. C'était pas non plus vieux bâtiment. Merci beaucoup Coco, merci à toi. On passe à la troisième participation, celle de Lia, qui nous a fait un volcan.
camp dans un Kirby, le Géomorphia, si je dis pas de bêtises. Bon, là, on a vraiment le gros volcan avec la grosse fumée. Il y a carrément des démons qui sortent du volcan. Très adapté pour... Mais il n'y a pas de bonus. En vrai, ça aurait pu, mais non, c'est pas tout à fait ça, le bonus. Mais ouais, très très joli effet. J'aime beaucoup ton fond. Il est hyper cool. En fait, c'est vraiment très, très chaotique. J'aime trop. Remaeva. Oh, bon appétit. Franchement, trop stylé. Il est beau ce bouquin. On le voit pas tant que ça, en plus. C'est un des Kirby qu'on... Les vieux Kirby, on les voit pas tant. Mais c'est vraiment canon. Ouais, des confettis de lave. Elle a fait des splashs. Les splashs, c'est le chaos. Vive le chaos. Très très cool. Merci beaucoup, Lia, en tout cas. Il y avait beaucoup de volcans dans les Kirby. Hein. Beaucoup de volcans. On va en voir d'autres. Merci à toi. On passe à la quatrième participation. Je vois pas les numéros de participation, en fait. Quatrième, ouais. Quatrième participation, celle de Argarath, qui a été dans le Tolkien. Oui, dans le Tolkien, et qui nous a fait, du coup, une montagne en coucher de soleil sur un petit... j'allais dire un petit village, c'est Erebor, carrément. Avec plein de reflets. C'est très stylé. Là, on est sur une ambiance complètement différente hein, du précédent. Mais vraiment très stylé. Je veux être là-bas, mais grave. De fou. Et il n'y a pas de bonus. Donc le bonus n'était pas non plus ville. Ou coucher de soleil. Pourquoi pas. Mais en tout cas, il est très réussi. Ouais, on reconnaît bien la patte de Argarath. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Tac. Voilà, comme ça, je me perds pas dans le fil. Merci beaucoup, Argarath, en tout cas, si tu passes par là. On passe à la cinquième participation, retour dans du Kirby, avec Princesse, qui a été dans le Mythic World et qui a fait un volcan. Pareil, pas de bonus, mais c'est pas passé loin. Je dis pas plus, mais c'est vraiment pas passé loin. T'es même pas passé loin de faire les deux bonus. Mais du coup, pas tout à fait. Retipi. J'avoue, j'y ai un peu cru, mais non. Pareil, là, on est sur de la fumée. Le gros bordel, la situation pas ouf. J'aime bien le fait que t'aies mis d'espèces de bleu pour faire ton volcan. C'est stylé. Ça fait bien ressortir le rouge, en fait. Double page Kirby, ouais, c'est vrai, double page. Parce que pourquoi faire simple? Travail de ouf, mais grave. Merci beaucoup, Princesse. Merci à toi. On passe à la sixième participation, celle de Sonia. Sonia qui nous a fait un Carolina Kubikowska dans le... je l'ai fait, celui-là. Le Ticket to Dream. Non. Si. Oui. Je sais plus lequel j'ai. Si, c'est ça, c'est Ticket to Dream. Je crois, hein. Je suis presque sûre. Avec du coup des montagnes et une lune avec des beaux reflets. Et son violet est vraiment très beau aussi. Le contour comme ça, c'est hyper chouette. C'est vrai que Carolina Kubikowska, il y avait aussi pas mal de matière pour faire des montagnes. C'était assez... assez cool. Ouais, il ressort super bien. C'est le jaune et violet, ça, que je pense qu'il fait ça. C'est vraiment canon. Ouais, c'est très contrasté, c'est ça. C'est le mot. Vraiment très chouette. Elle a même mis son pseudo en jaune. Ça ressort bien aussi. Merci beaucoup, Sonia. Merci à toi. Je sais plus s'il y en a d'autres des Carolina. Je sais plus. On verra. On passe à la septième participation et redouble page de Kirby, parce que pourquoi pas. C'est la participation de Coloricat qui nous a fait du coup deux volcans. Alors ça compte pas double hein, quand même, mais... Non, c'est pas So. C'est pas cette Sonia. Non.
Non, je crois que So, je l'ai appelé Colo de So, je pense. C'est vrai que des fois, je note vos pseudos et des fois, je note le nom que vous avez sur Insta, là, quand on est en MP. C'est vrai que des fois, ça change, mais... Donc ça, c'est un colo du ouais, 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 je crois. Oui. Attendez. Oui, ça, c'est le chameau du ouais, ouais, ouais. Parce qu'il y a le chameau du Imagimorphia, mais c'est pas lui. Lui, c'est le chameau dans l'eau, donc ouais, c'est ça, c'est le ouais, ouais, ouais. Mais c'est pas grave, Athénian, t'inquiète. C'est ton homonyme, c'est ça. Et du coup, le bonus n'est pas non plus animaux et ce n'est pas non plus orage. Orage, ça aurait grave pu. Mais non, c'est pas ça. Mais par contre, il rend super bien son ciel. Ouais, c'est le ouais, princesse. Ah ouais, 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 yippie-yo. Merci, Tipeee. L'effet de transparence, ouais, j'avoue, l'eau est super lumineuse. Et on a les petits... Vous avez tous fait des effets différents pour la lave, c'est trop stylé. On a les petites éclaboussures aussi, comme ça. Et le côté, ouais, très... très fumée noire au-dessus. C'est de l'encre, ça, à mon avis. Hein. Je pense que c'est vraiment le meilleur médium pour faire un fond comme ça, bien orageux, bien nuageux. Vraiment très cool. Merci beaucoup, Coloricat. On passe à la 8e participation, celle de Néo qui avait oublié ce qu'elle avait fait. Voilà ce que t'as fait, Néo. Double page dans le Tolkien, du coup. Avec des montagnes. Là, pour le coup, on pouvait pas être plus dans le thème. C'est une double page de montagnes, en effet. J'aime trop ton ciel. La forêt, ouais, j'avoue. Mais non, je trouve que ton nuage, on dirait vraiment un dieu qui serait en train de se venger sur les humains, tu vois. Genre, tu vois le gros orage qui arrive, là. Qui va littéralement casser l'ambiance. Des montagnes sans prout. Des montagnes, du coup, Yasmine, effectivement. Ciel à l'aquarelle. Ça y ressemble. Aquarelle ou gouache, non. Néo, t'es là, de toute façon, tu peux nous... Ouais, le relief est très réussi. J'avoue. Bah ça fait montagne enneigée et c'est vrai que c'est pas si évident de faire du clair comme ça, du blanc. Ouais, c'est de l'aquarelle, ok. Bah c'est très joli. J'aime bien tes effets sapin aussi. Avec les... J'imagine que c'est du marqueur acrylique. Ou non, peut-être de la gouache, d'ailleurs. Aquarelle, acrylique, pastel à l'huile. Ok. Ok, ok. Pastel à l'huile pour le blanc, du coup. Et bah, c'est très... Sapin. En effet, Tipeee, excuse-moi. Déformation professionnelle. Ouais, les sapins sont cool, hein. Avec les petites aiguilles plus claires comme ça. C'est pas mal comme idée. On prend des notes pour les battles. Merci beaucoup, Néo. On passe à la 9e participation. Retour dans la chaleur et le chaos. Avec Matt, qui nous a fait un Alien World. Double page de Kirby. Vous avez été... au taquet sur les doubles pages de Kirby, hein, c'est un truc de fou. Avec des geysers de lave, des coulées de lave, de la fumée. Franchement, j'aimerais pas m'y rendre en vacances, mais c'est très stylé. Vraiment très canon. Avec des extraterrestres qui ont l'air fort sympathiques. Et ta lave, elle est très lumineuse. Ouais, limite fluo, grave. Ça fait mal aux yeux, ta lave. C'est trop stylé. D'ailleurs, j'avais dit que je ferais un tuto lave, j'ai oublié. Voilà, voilà. Je sais pas ce que t'as utilisé pour tes... Ah, ça doit être du pastel à l'huile aussi. Hein. C'est pas très accueillant. Non, disons que... Un Airbnb là-bas, ça ferait pas sensation, mais... Mais c'est très... C'est très dans le thème, en tout cas. Merci beaucoup, Matt. Merci à toi. On passe à la 10e participation, celle de Noced, qui nous a fait un Circle of Life. Il n'y a toujours pas de bonus, hein, depuis tout à l'heure, je dis plus rien, mais il n'y a toujours pas eu de bonus. Donc Circle of Life avec des petites montagnes et un coucher de soleil aussi très stylé. Ah, tout au lumi, ok. Sauf les nuages au pastel, d'accord, ok.
Ça explique les couleurs aussi vives, je pense. Ouais, du mel pommier, on en a pas souvent en battle. Donc c'est très chouette. Je crois que je vous en avais montré en exemple, elle fait pas mal de montagnes et de volcans. Donc ouais, c'était une super idée. J'aime beaucoup les reflets qu'elle a fait à l'acrylique pour souligner le fait que ce soit vraiment très lumineux au niveau du jaune. C'est vraiment très cool. Ça a l'air d'être pas mal de matériel aquarellable, ça, l'eau que... Non, canard n'est pas le bonus. Quenouille non plus. Libellule non plus. Fleur non plus. On élimine quand même pas mal de trucs. Hein. Si vous avez après des pronostics sur les bonus mystères, n'hésitez pas. Parce que du coup, là, les choses se... Enfin, vous éliminez en fait des trucs au fur et à mesure. Donc si vous voulez deviner, vous pouvez essayer. C'est ok. Merci beaucoup, Nocède, en tout cas. Hyper stylé ton coucher de soleil. Ouais, changement d'ambiance, de fou. Ah, dragon, on n'en a pas eu encore. Je ne pourrais pas dire non, ni oui. Hop. Nel, qui nous a fait un mythographique Magical Earth avec un volcan en chocolat. Personnage à capuche, c'est pareil, on n'en a pas eu, mais ça pourrait. Quenouille bonus, ça aurait été chaud. Mais ça aurait surtout eu aucun sens. Non, je vous ai quand même mis des trucs qui ont du sens. Pour que vous ayez une chance de trouver quand même. Donc, petit volcan en chocolat par Nel. Donc ça, c'est du Joseph Catimbong. Miam, trop beau. Ouais. Celui-là, ça va, on voudrait bien s'y rendre. Franchement, c'est une super idée. Moi, je l'avais fait premier degré, mais il est trop stylé en chocolat. C'est une super idée. Par rapport au contexte de l'élu, c'est hyper cool. Ça donne faim. J'ai trop envie de chocolat en ce moment. Et le washi aussi. Pour bonus, pour le washi. Alors, c'est pas non plus le bonus washi. Mais il est trop beau ce washi. Je le kiffe. Je l'ai aussi. Trop trop beau. Ouais, c'est pas comment. Non, c'est vrai qu'elle. Même par rapport au livre, elle est spéciale, Lilu. On va avoir faim, mais tellement. Ouais, c'est le Magical Earth. Si je dis pas de bêtises, hein. J'aime bien parce que j'ai fini ce livre et à chaque fois que je vois des élus, j'hésite. Alors que je l'ai terminé. Il me semble... Mais des fois, elles se ressemblent entre les mythographiques. Mais je pense que c'est celle du Magical Earth. Oui, je suis presque sûre que c'est celle-là. Je me souviens de l'avoir fait chez ma mamie. Et il me semble que c'était ça. Avec le volcan dans la tasse. Si je dis une bêtise, n'hésitez pas à me contredire, bien évidemment. Merci Nel, en tout cas. Merci à toi. On passe à la 12e participation, celle de Yasmine qui nous a fait un Diane Dufour. Oui, les ours. Comment il s'appelle ce livre Il s'appelle... C'est une bonne question. Nounours Thérapie. Merci. Merci Croque-Mou. C'est ça, Nounours Thérapie. Avec encore un beau travail sur les reflets. Vous êtes au taquet sur les reflets. Ouais, le contre-jour est grave cool. Les montagnes, elles ressortent super bien en arrière-plan. T'hésitais à voter pour ta team, du coup, Yasmine. Coucou Laetitia, on est à la 12e participation. Pour l'instant, c'est égalité, et on n'a toujours pas découvert de bonus mystère. Je vais boire un petit coup, moi. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est ma gourde. Hop là. Oh, pardon, je vous ai frappé. Excusez-moi, vous n'avez pas mérité ça. Non, ça va en vrai, Yasmine. Ça passe. Ça donne un style, t'inquiète. Un style un peu... comment on appelle ça? Les fan footage. Très sympa. Ouais, de fou. Non, franchement, les reflets sont très très beaux. Quand c'est colorié, Diane Dufour, je kiffe. Et quand je les vois pas coloriés, j'ai pas d'inspi. Mais c'est cool d'en avoir. On en a toujours au moins un en battle. C'est vraiment chouette. Merci beaucoup, Yasmine. On passe à la 13e... Ah, je l'ai appelé 12 aussi. On passe à la 12e bis participation. Du coup, on en aura 36. Ouais. Du coup, c'est celle d'Ophélie qui nous a fait un Mythic World avec un volcan. Voilà, volcan dans les yeux d'un aigle. Donc, oiseau, c'est pas non plus le bonus. Plume non plus. Bon, ça, je pense que vous vous en seriez douter. Mais il est vraiment canon, ce colo. Et j'adore ce que t'as fait au niveau des plumes et des reflets.
C'est vraiment très très chouette. J'étais grave décarcassée pour le bleu-vert. Et ça fait super bien ressortir le rouge à l'intérieur de l'œil. Et ouais, les reflets de l'œil sont canons, grave. En fait, c'est vraiment les compléments. Enfin, c'est vraiment les choix de couleurs là qui font que ça fait waouh. Ouais, grave, ouais, ouais, de fou. Ouais, les reflets des plumes sont super canons. Ah, d'ailleurs, je vois que c'est dans un best-of. C'est pas dans le mythique qu'elle l'a fait. Parce que vous voyez à droite là, c'est pas un colo du mythique. Oh, le bébé dehors là. On se calme. C'est pas un colo dans le mythique. C'est un best-of. Ah ouais, elle t'inspire pas. Ouais, c'est vrai que c'est. Bah, l'œil en gros plan, ça peut faire un peu flipper. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien. En général, les gens, les dessinateurs qui aiment pas faire de colo, ils aiment bien colorier des yeux. Je sais pas pourquoi. Des yeux surtout en mode réaliste. C'est un truc que je vois beaucoup, ça. Les gens, ils kiffent les yeux. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Merci beaucoup, Ophélie, en tout cas, pour ton Kirby. On passe à la 13e cette fois. Mais techniquement, c'est la 14, mais tant pis. Re-Aurélie, avec un Eri. Ouais, ça, c'est Eri, avec les chapitres. Alors, par contre, je saurais pas dire dans lequel c'est. Ça doit peut-être être le Romantic Country tome... celui qui est en français, là. Ranger ce bébé. Oui. J'aurais même dit... J'aurais même tendance à dire manger ce bébé, mais bon après... du coup, oui, j'imagine que c'est le Romantic Country tome... Si quelqu'un sait, n'hésitez pas à le dire. C'est vrai que les pages des chapitres, c'est difficile à reconnaître. Mais en tout cas, super double page pour le thème montagne. Hein. Tome 1, tu penses? Ok. Là, on est vraiment sur du montagne, montagne, montagne. Comme celui de Néo, double page où il y a vraiment... le thème à fond. Et puis elle nous a trouvé plein de petits trucs à coller comme d'habitude, c'est hyper cool. Mais grave, non mais Roxy on le reconnaît toujours aussi à chaque battle, c'est trop bien. C'est très très stylé. Et puis c'est cool que ça ait pu te permettre du coup de faire une page de chapitre. Parce que c'est pas forcément des pages sur lesquelles on s'oriente, donc c'est cool que le thème ait permis de faire une page qui change un peu comme ça. C'est vraiment très très cool. C'est ce qu'on fera d'ailleurs pour le stream de 10h là. Le 10 août, on fera aussi des pages comme ça, intermédiaires entre différentes parties d'un livre et tout, voilà, pour les avancer. Et puis, en général, c'est pas des pages qui sont super longues à faire. Mais c'est très très cool. Merci beaucoup, Roxy. Merci à toi. On passe à la 14e participation, celle de Mamie. Mamie qui nous a fait un mail pomeni dans le Circle of Life aussi. Je vous ai dit, il y a plein de volcans et de montagnes. Avec du coup un volcan en mode mamie. Mamie, elle utilise beaucoup de contraste, de surligneur aussi. Je pense qu'il y a pas mal de surligneur. Il est très très lumineux. Il est encore plus lumineux en vrai pour le coup, mais... Kaboum! Ouais, c'est le bruit que fait ce colo, de fou. Et on n'a toujours pas de bonus. Ah, j'y ai cru. Non. Pas tout à fait. Ouais, il est super beau le colo. Puis là, il y a plein de volcans. Imaginez si le bonus, ça avait été de faire plusieurs volcans. Elle aurait fait 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 20... Ouf, beaucoup trop de points. Voilà, les volcans ont gagné. Non, non, c'était pas au nombre de volcans. Ça aurait pu, en vrai, ça aurait été drôle. J'adore les petites chauves-souris blanches aussi. Il y a beaucoup de jelly roll blanc aussi. Ça, ça rend trop bien. Ça fait une harmonie de lumière, c'est cool. Et au niveau du matériel, j'imagine du coup que c'est Prisma Brut Funner. Et il doit y avoir du surligneur, c'est sûr. Le fond, c'est du pastel. Les nuages... Je sais pas. Et beaucoup de jelly roll. Merci à toi, mamie. On passe à la 15e participation, celle de Lille, qui nous a fait un Carolina Kubikowska dans le... Peut-être le Ticket to Dream, vu la reliure, mais... J'en donnerai pas ma main à couper, Lilu me dit rien. En tout cas, on a les petites montagnes à l'arrière et Lilu est vraiment très, très très stylé. C'est beau comme tout. Ouais, c'est doux de fou. J'adore qu'on ne cache pas... qu'on cache pas le line
de l'illustratrice. Ah, c'est le on... Ah, peut-être, so. Ouais, peut-être c'est pour ça que ça me dit rien. J'ai dit ça juste à cause de la reliure et du format. Mais ouais, ça peut être le premier aussi. Ouais, c'est super tendre. C'est trop stylé. Puis j'aime bien aussi les poils blancs. Les poils blancs comme ça, au jelly roll, c'est beau. Elle est vraiment belle, cette filu. Moi, j'adore Carolina. C'est vraiment canon. Merci beaucoup, Lille. Merci à toi. Je veux adopter un renard, mais de fou. On passe à la 16e participation, retour dans du Kirby, avec celle de Ménica. Ménica, c'est la première à avoir eu un bonus. Voilà. Enfin, première. Je dis ça pas dans le temps, hein, là, ce soir. Premier bonus, dragon, le premier bonus. Oui, oui, pas très original, on l'a déjà eu comme bonus, mystère, mais c'était adapté au thème. Tu l'avais dit, Croque-Mou, dragon. Voilà. Un peu de cœur et de tendresse, exactement. Ah, j'adore Néo. Parce que j'adore Wizbot. Et donc ça, c'est dans le Mythic World. Parce que du coup, j'ai même pas dit d'où venait ce beau dragon. C'est un dragon du Mythique. Voilà. D'ailleurs, je l'ai mis en volcan, mais c'est une montagne. Pourquoi je l'ai... Ah non, c'est un volcan. Non, non, c'est un volcan, c'est de la lave. Non, c'est moi qui suis folle. Parce que j'ai vu les reflets au-dessus. Et je me suis dit, c'est les reflets. Mais en fait, non, c'est de la lave. Parce que ça coule, etc. ici. C'est de la lave. C'est ça. C'est genre le dragon de lave. Hyper cool. Moi aussi, j'adore ce livre. Faut que je fasse d'ailleurs le deuxième colo du mois dedans. Ouais, c'est le premier bonus mystère. Il y en a un deuxième. Que pour l'instant, personne n'a trouvé. Mais essayez, hein, vous pouvez. Merci beaucoup, Ménica, en tout cas. Ouais, dragon de lave, c'est ça. Merci à toi. On passe à la 17e participation, celle de Bulle. Et ben, on a le deuxième bonus. Alors, essayez... C'est très simple, en vrai. Essayez de faire simple. À votre avis, c'est quoi, du coup, le deuxième bonus? C'est vrai que je les ai mis l'un après l'autre. En même temps, on arrive à la moitié, donc... Il était temps qu'il y ait des bonus. C'est un colo, d'ailleurs, du... C'est le Tolkien encore, hein, on est d'accord? Des bottes. Non. Vieillard, non. Moins précis que ça. L'homme, oui. Je l'ai pas dit que... Enfin, je l'ai pas formulé comme ça, mais oui. Ouais, pas tout Sisuki, t'inquiète. Tu... T'inquiète. Pépé. Non, c'était juste personnage masculin. Voilà, c'était juste ça. Personnage masculin. Voilà, c'est ça, Coco. Tout simplement. Homme, personnage masculin, mais humanoïde. Voilà, fallait un humanoïde. Pas une créature qui fait masculin. Non, un vrai humanoïde. Je dis pas humain, parce que ça aurait pu être un elfe aussi. Il y aurait pas eu de soucis. Mais ouais, humain, masculin. Bah, vu que vous devez choisir entre Silas et Valor... voilà. Pour moi, c'était logique. Mais il y a pas beaucoup de monsieur dans les colos, donc je me doutais que celui-là, ça allait être un petit peu moins évident. Mais du coup, Bulle l'a eu, voilà, sur ce colo très stylé de montagne, bien verdoyante. Personnage masculin, voilà, c'est ça. Coucou Ella, on est en train de regarder les participations de la battle. On est à la 17e sur 36 du coup, j'ai dit 35 mais c'est 36. Et après, on aura le nouveau thème. Voilou, voilou. En tout cas, très très fan de l'effet herbe. Ça donne un petit peu envie de se rouler dedans, j'avoue. Ça a l'air d'être pas mal de matériel aquarellable. Et troisième Tolkien ce soir. Vous êtes une team Tolkien. Merci à toi, Bulle, en tout cas, merci beaucoup. On passe à la 18e participation, celle de Sandili, qui nous a fait un volcan mystère dans le mystère fantastique. Ouais. Ah, attends. Attends, Coco? Je crois que c'est un mec. Ouais, non mais... Oh putain, je pensais pas que le bonus allait être compliqué. Ah non, mais si vos personnages ils sont non genrés, je suis désolée, je genre vos personnages pour le bonus. Après, c'est pas grave en vrai, parce que ça changera pas. Fantastique, grave. Bah, c'est la couverture. Hein, si... Oui, c'est ça, c'est la couverture. Vraiment très canon. J'adore quand vous allez dans
dans vos mystères pour les battles, c'est trop bien. Surtout le mystère fantastique, il se prête quand même pas mal au thème de cette histoire. Coucou Morgane, on est en plein waouh sur les participations. Il est très fluo le jaune que t'as utilisé d'ailleurs pour la couleur là, 7. C'est très stylé. C'est du fluo que t'as utilisé Sandili ou pas? Ouais, je me permets Yasmine, c'est des dessins, tu vois, ils vont pas se vexer. Non mais après je pourrais utiliser les pronoms neutres pour chacun des persos, mais... j'avoue que là je me permets de genrer, j'avoue. J'avoue, celui de Bulle, j'ai vu une barbe, j'ai dit c'est un homme. Bon, excusez-moi. Très beau phénix, grave. Hyper lumineux. Bah merci beaucoup Sandili, merci à toi. On passe à la 19e participation, celle de Sandy, qui nous a fait un Kirby double page. Non mais, une dinguerie, vous avez été vraiment des fous. C'est une double page du Imagimorphia. Oui, Imagimorphia. Et là, c'est des montagnes enneigées, on change complètement d'ambiance. On passe sur de la neige. Ça donne aussi envie de se rouler dedans, cela dit. Mais, ouais, si, carrément. Carrément. Ta neige, elle est lumineuse. Hein. Je sais pas ce que c'est, ça doit être de l'acrylique, mais... ça claque. Le fond, il ressort bien dessus. Fond à l'aquarelle, j'imagine. Ouais, couleur de Noël, c'est ça. Changement d'ambiance, c'est cool. Et le troisième bonus, c'était pingouin. C'est faux. Non, je rigole, quand même. Pas de... Y a pas de troisième bonus. Faut pas non plus pousser mémé. J'aurais fait un troisième bonus si j'avais voulu qu'une des teams gagne plus que l'autre, mais... Je l'ai pas fait, parce que je triche pas. Je vous laisse mettre de vos propres choix. Et après, je vous juge. Merci beaucoup, Sandy. Merci à toi. On passe à la 20e participation, celle de Mandy, qui nous a fait un Jasmine Beckett. Je crois que c'est déjà la dernière fois, il me semble. Jasmine Beckett Volcan dans le Fantasy Art. Je l'ai fait aussi, celui-ci. Fantasy Art avec petit volcan en arrière-plan. Et j'aime beaucoup le fait que les ailes de la fée papillon soient de la même couleur que la lave. C'est très stylé. Il est particulier ce colo en vrai. Elle a l'air trop détendue par rapport au fait qu'il y ait littéralement une éruption volcanique. Mec ou fille? C'est une fille du coup, mais peut-être qu'elle ne se sent pas fille, mais croque-mou, je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête. Bon. Elle serait torse nu, à la limite, j'aurais dit c'est un garçon, mais elle est pas torse nu. Elle porte une brassière, donc on va dire que c'est une fille du coup. Ah, c'est toi, Ama? Ok, parce que des fois je note vos pseudos Insta, et du coup je vous reconnais pas sur les streams, donc désolée. Si jamais vous êtes là quand c'est vos colos et que vous avez pas le même pseudo, n'hésitez pas à le dire. Ok, Ama Mandy, ça marche. Oui, c'était ça, c'était ton deuxième, ouais, il me semblait aussi. On en a pas tant que ça des Jasmine Beckett pour les battles. Donc je les retiens. Jette un sou au sorceleur, au fertile valet. Au fertile valet. Jette un sou au sorceleur, au fertile valet. Radiateur à son bras, hibiscus. Peut-être qu'elle se sent papillon, tout simplement. Voilà. Voilà, voilà. Et bah merci à toi, Ama. Merci beaucoup. On passe à la 21e participation, celle de Athénian, qui nous a fait un Kirby du Géomorphia aussi. Je crois que c'est Géomorphia. Je les ai pas les anciens, donc je confonds un peu. Mais je crois que c'est Géomorphia avec une chaîne de montagne. J'étais en train de chercher le thème. Non mais là, il y en a. Une chaîne de montagne, hein, littéralement les trois quarts du colo. Donc oui, c'était tout à fait dans le thème. Pour le coup, c'est Fantogéo, ok. Fantogéo, il est trop canon. On va le revoir ce colo d'ailleurs. T'as fait un duo improvisé, je pense. Une dinguerie, ouais, grave. Je suis très fan des vieux Kirby. Il y a quelque chose de. Je sais pas, il a vachement évolué sur son style, mais j'aime bien les anciens. C'est différent. Il y avait plus de plans différents. Il jouait plus avec la perspective. Je sais pas comment l'expliquer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a moins de perspectives sur les nouveaux, c'est plus...
bah on voit la scène en face. Là, il y avait des côtés un peu... Ouais. Ouais, j'analyse beaucoup trop les élus en ce moment. C'est terrifiant. C'est le dessin, ça. Mais avant, il était plus dans le jeu de perspective, dans des choses qui s'éloignent, qui se rapprochent. Surtout ceux-là, les premiers. C'était stylé aussi. Ce live est sponsorisé par Camille. Ouais, il est en lurk, c'est ça, ouais. Bien sûr, Tipeee, bien sûr. Dans mes rêves, peut-être. Bah, merci beaucoup, Athénian, en tout cas. Il est vraiment canon. Et puis, pareil, si t'avais été noté au nombre de montagnes, t'aurais fait gagner ta team. Merci. J'ai évité la double page, bah... Très, très bien. En vrai, t'aurais même pu les transformer en volcan. On aurait même pu faire ça sur celui-là. Très canon. Un jour, je l'achèterai, ce bouquin. Merci à toi. On passe à la 22e participation, celle de Aurélie. Retour dans du Kirby double page. Aurélie, elle a pas évité la double page. C'est une double page du Mythic World. Et je suis trop fan de tes teintes. J'aime trop le côté sable comme ça. J'aurais pas du tout pensé pour ce colo. Et aussi pour un volcan. C'est vraiment hyper original. Ça pète. Ouais, ça fait un peu. Ça fait un peu penser à Dune, étonnamment. C'est très doux et en même temps, c'est. C'est violent, je sais pas. C'est vraiment très cool. T'as beaucoup détouré aussi. C'est vrai que c'est le détourage sur du Kirby, ça fait toujours un effet. Très original. Ouais, j'essaie de couvrir les atrocités que quelqu'un dit dehors, je sais pas si vous l'avez entendu. Je vais blablater sans jamais faire de pause pour pas que vous entendiez leur bêtises. C'est vraiment très chouette. T'étais très limitée en couleur et t'as fait un truc vraiment trop stylé. Un volcan dans le désert, bah c'est génial. Franchement, l'idée est trop top. Et malgré le fait que tout soit doux, tout ressort très bien. C'est vraiment chouette. Mais ouais, t'as beaucoup détouré. Tu détoures avec quoi, Aurélie, par curiosité ? Parce que t'as carrément tout détouré. Et puis Kirby, il y a beaucoup de traits. Hein. Ça en fait des traits à repasser pour le coup. Ouais, de fou, oui. Une dinguerie plus, ouais. Au Morandi, ok. Ma question dans ma tête, c'était Morandi ou Artistro. Mais ça confirme que les Morandi, c'est la vie. Les éclaboussures, ouais, grave. Très très chouette. Et bah merci à toi Aurélie, en tout cas de ton boulot. Mais tous ceux qui ont fait des doubles pages de Kirby, franchement, vous êtes un petit peu fous, mais tout va bien. On passe à la 23e participation, celle de Tara. Tara qui nous a fait... Alors, c'est les petites montagnes qui sont ici. Hein. Touk, touk. C'est un coco-wayo, je crois. Hein. Tara du replay. Tara du futur. N'hésite pas à confirmer. Il me semble que c'est un coco-wayo. C'est Pocket Room, je crois, hein, de coco-wayo. Si quelqu'un reconnaît, n'hésitez pas à le dire. Et ouais, petit fond en scrap. J'aime trop l'idée d'avoir fait ça. En mode washi en bande comme ça, c'est une super bonne idée. Ouais, on dirait le pocket. Je pense que c'est celui-là. Elle me l'a dit en plus, mais j'ai oublié. Mais c'est adorable. Et j'aime vraiment trop l'idée du fond. Ouais, le fond washi, c'est grave cool. Fallait y penser. Ou cute. Ah, c'est peut-être cute corner. Ça me dit plus quelque chose. Elle me l'a dit en plus, hein, mais j'ai zappé. Washi en bande organisée. Oh mon dieu, imagine le tuto ou le dalk là-dessus. Faites un fond washi en bande organisée, pardon. Ouais, le fond est super original, c'est cool. Et puis c'est pas des élus qu'on voit beaucoup en battle. J'arrête pas d'en voir sur Insta des livres comme ça en mode chill. Bah Coco Wayo, ils sont vraiment mis à faire que ça maintenant. C'est un peu dommage, mais c'est stylé, mais c'est vrai que c'était cool un peu de variété et tout. Mais c'est vrai que c'est très satisfaisant à regarder. C'est mignon. Merci beaucoup Tara, merci à toi. On passe à la 24e participation, celle de Suki. Suki qui nous a fait un Shibitaro, pardon. J'allais mélanger les lettres, j'allais faire un Tiricharo, j'allais dire. Un Tiricharo, ouais, c'est ça. Alors ton personnage c'est une fille ou un garçon? Parce que du coup, je savais pas trop si je te mettais le bonus. Elle ressemble à une fille, mais ça pourrait aussi être un garçon. Le jean un peu... Les fringues m'ont fait dire que c'était un peu plus une fille.
le fait qu'elle ait des grands cils aussi. On va dire que dans le code des mangas, si on analyse, ce serait plus une fille. Mais ça pourrait être un garçon aussi. Donc, c'est toi qui me dis, Suki. Non, c'est pas le pendu, c'est la tour. C'est un mec. Ok, allez, bonus pour Suki. C'est vrai, Mélo, tu l'as reconnu. Non, mais Suki, c'est toi qui l'as fait. Hein. C'est toi qui choisis. On peut pas demander à l'illustrateur, donc... Je vous laisse décider. Tu as le bonus. Allez. Si tu penses que c'est un garçon, c'est un garçon. Moi, j'aurais plus dit que c'était une fille à cause du vêtement cintré et des cils, mais... Je veux bien te l'accorder. Mélo. Boy, Coco. Coco, si tu dis ça parce que c'est ta team. Je te vois, hein. Sans contrefaçon, c'est un garçon. La team 1, vous êtes des malins. Un violet est mort sur ce fond. Il est cool ton fond, j'aime bien. C'est pas noir, c'est un violet. Ça fait bien ressortir le rose. C'est stylé. L'idée du orange avec le rose aussi, c'est cool. C'est stéréo. Mais non, je suis obligée d'analyser, arrêtez. Non. Merci beaucoup Suki en tout cas. Merci à toi. Mais pas merci pour le... Je pensais pas que ça allait faire des... Mais oui, en fait, j'avais pas réfléchi à ce bonus mystère. C'est très problématique, en fait. Allez, 25e participation. Celle de Maeva. Oh, j'avais pas tilté que c'était la même que tout à l'heure. Je me rappelais plus qu'il y en avait deux de cette ilu, c'est rigolo. Donc, retour dans le Ticket to Dream, du coup. Avec à nouveau le petit paysage avec les reflets qui est trop stylé. Ouais, c'est clair, Yasmine. Hein. On se serait moins posé de questions. On n'aurait pas dit est-ce que cette quenouille est une quenouille ou un roseau. Si en vrai vous auriez dit ça, vous auriez été en mode c'est une quenouille ou un roseau. Je vous connais hein. Ouais de fou. Les reflets sont vraiment stylés et j'adore l'effet parchemin que t'as fait avec les écritures ici là, c'est vraiment trop canon. J'aime trop aussi. Je craque sur un de ces bouquins mais tu vas tellement pas le regretter. C'est vraiment trop cool. Moi j'adore les hachures. Je sais pas si vous avez remarqué, hein, j'adore les hachures. Les hachures, c'est trop beau. C'est trop agréable à colorier en plus, quand il y a des fioritures comme ça. J'ai dit roseau, bah voilà. Tu vois, il y aurait eu un débat. Ouais, l'eau est canon avec les reflets. Carolina, ouais, c'est trop stylé. On en a eu pas mal ce soir quand même, c'est hyper chouette. Une toute autre ambiance, mais oui. Plein d'ambiances différentes. C'est chouette. Merci beaucoup Maeva, merci à toi. On passe à la 26e participation, celle de Weiwei, qui nous a fait... Eh ben t'es là, donc tu vas nous le dire. Qui nous a fait une petite chibi. C'est une fille ou un garçon, du coup? Putain, je devrais pas vous demander à ça, mais... Enfin, je devrais pas vous demander à vous, parce que là, du coup, t'as voté team 1, ouais. Tu vas me dire que c'est un garçon, du coup, fatalement. En tout cas, très stylé. J'aime beaucoup ton ciel. Un garçon, bah oui. Évidemment. En fait, tout le monde a le bonus, quoi, finalement. GG princesse, pour ton The End. J'aime trop tes reflets. Et puis, ouais, la nuit est très originale. C'est pas une nuit flippante, c'est vraiment une nuit très lumineuse. C'est du Dada Cat. Ok. Ok, ok. Ils sont comment les papiers de ces bouquins Weiwei. Enfin, toi, je sais que tu travailles bien sur n'importe quel papier, genre les papiers Amazon et tout, ça te dérange pas. Salut Carcoco. Mais ouais, je suis très... Je prends des notes pour le fond de nuit, là, c'est hyper chouette. Et ben, merci à toi, en tout cas. On passe à la 27e participation. Celle de Carole, qui nous a fait une double page de Melpomene dans le Circle of Life. Oui, c'est une double page du Circle, qui est pas en cercle, mais les doubles pages, elles sont pas... Ouais, t'as pas fait... Ok, ouais, je vois. Ok, ok. Ça va et toi, Carcoco? On est en train de regarder les 36 participations de la battle. Là, on arrive à la fin.
Donc là, double page, pareil, on peut pas faire plus montagneux, très clairement. Très très montagneux. Et on a eu beaucoup de Melpomene, pas mal de Kirby. C'est chouette. Très très chouette. Ça fait vacances, cette chélue et cette mise en couleur. Il y a un homme dans la tente. Allez, vas-y, je te le compte. En fait, c'est Tour, c'est un homme. Voilà, c'est Alcine, en fait. Il est transformé, donc... Allez, je te le valide. Non, mais... Les teintes sont trop jolies, grave. C'est doux. Ça donne envie d'y être, hein, clairement. Bon, de toute façon, la team montagne, globalement... Un furie, non. J'aurais plus dit un druide. C'est quand même beaucoup plus cool. Un furie. Putain. Mais non, Yasmine. Non. Merci beaucoup, Carole. Merci à toi pour ta double page. On passe à la 28e. Wow, il y a un gosse possédé dehors. On passe à la 28e participation, celle de Elsa, qui nous a fait un mystère Blanche-Neige. Alors par contre, je ne saurais pas vous dire dans quel bouquin c'est. Elsa, n'hésite pas à nous le dire. Ouais, un panorama, c'est tout à fait le mot. Non, je reconnais pas. Ah non, mais le bruit, laisse tomber. Appeler un exorciste encore une fois, hein, c'est... Ça fait peur. Faut le faire retourner aux enfers, cet enfant. Bah merci, Car Coco. Ouais, le jaune, il est pétant de fou. Hein. Wouah. Le démon approche. C'est une fille ou un garçon? Non, mais... Bon, écoutez... Je crois que Blanche-Neige, c'est une fille. Après, dans un Twisted Tale, ça peut être un homme. En soi, pourquoi pas? Elle peut être aussi non-genrée. Elle peut être aussi genrée arbuste. On ne sait pas. Finalement, garçon. Ouais, Elsa. Ouais, allez, je te le valide. Si tu veux, à la limite. C'est vraiment la team montagne. Vous êtes terrible. Vous êtes vraiment terrible. Bah merci beaucoup Elsa en tout cas. Et tu m'as pas dit dans quel bouquin? Ah si, le Princesse, pardon, tu as répondu au-dessus. C'est Tom Princesse, ok. Et c'est celui qu'ils vont faire en édition collector. Je sais pas si vous avez vu, ils vont faire une édition collector du Tom Princesse. Alors je pense pas qu'il y aura que le Princesse, parce qu'il y a beaucoup plus de colos que 100. Et du coup, ce sera recto pas verso. Et c'est une trop belle édition. Genre c'est vraiment magnifique. Elle est enceinte du bébé. Ah, peut-être il y a un garçon dans le ventre, je vois. Peut-être. Non mais là, vous allez trop loin la team 1. Merci à toi. On passe à la 29e participation. Celle de Laetitia qui nous a fait les géants du Mythic World. Géants du Mythic World, donc pour la team... J'ai bugué. Montagne. Excusez-moi. Un nain sous la jupe. Ou deux, Coco. Donc là, on avait le bonus homme, hein, très clairement. Sont humanoïdes, ça marche. Yasmine. Ouais, mais on sait pas. Hein. Après, elle fait ce qu'elle veut, Blanche-Neige, en soi. Oui, on l'avait fait ensemble, ouais. Très très cool. Ça avait été un fil rouge. Deux hommes. Ouais, deux hommes, avec un Z. Enfin, à moins que Laetitia nous dise que ce sont des personnages féminins. Tu peux le dire. Hein. C'est peut-être des femmes à barbe. Ouais, alors non, mais alors ça par contre, ouais, elle a tout détouré les comment ça s'appelle déjà d'ailleurs? Waouh. Comment ça s'appelle déjà? Je crois que ça a un nom, cette espèce de montagne pilier comme ça. Si quelqu'un sait, si quelqu'un a plus de vocabulaire, n'hésitez pas à... Ouais, de fou, Coco. De fou. D'ailleurs, il l'attaque avec une pierre parce qu'il lui a piqué son rasoir. Et oui, c'est la dure vérité. Mais j'adore le côté team bleu, team rouge. C'est très chouette. Deux hommes, ok. J'ai mis une vie sur le détourage, mais tu m'étonnes. Quelle idée. Quelle idée, Laetitia. Mais Laetitia et Aurélie, détourées du Kirby. Ça a pas la tête. Il n'y a pas un illustrateur, il y a plus de lines, et vous détourez ça. J'ai pas entendu ta question. Je dis trop de bêtises, Tipeee, j'ai déjà oublié aussi. C'était pas important, t'inquiète. Ah si, le nom des,
des piliers qui vont vers le haut, comme ça, ça existe ça, dans certains pays. Je sais plus comment ça s'appelle. La chaussée des géants. Bah, c'est l'effet que tu voulais, mais c'est très réussi. Merci beaucoup, Laetitia, en tout cas. On passe à la 30e participation, celle de Scraptif, qui nous a fait un Anna Carlson. Oui, c'est le City Among the Stars, je crois. Parce que mon cerveau avait très envie de dire Johanna, mais c'est du Anna Carlson. Parce que c'est Anna Carlson qui fait ses nuages avec des traits là, des igouigouis comme ça. Mais c'est tellement pas Anna Carlsonesque que sur le coup j'ai bugué. Et j'ai pas ce livre en plus. Colonne de piliers de basalte. Ok. Ah, une colonne de piliers. Ouais, ok. Orgue basaltique. Ok, c'est trop stylé en tout cas. Donc là on est sur des petites îles volantes montagneuses. Et le petit rajout de Scrap, j'adore. Très très cool. Le petit Scrap. Bouquin qu'on voit pas beaucoup. Ça change. C'est vraiment chouette. Pas envie de me trouver au bord. Non, après ça a l'air assez grand quand même dessus. Il y a une ville, il y a un lac. Ça a l'air quand même balèze. T'es pas vite au bout du truc, je pense. Mais c'est très canon. C'est le City Among the Stars de Anna Carlson. Il a pas été traduit en français celui-là. La cité à travers les étoiles. Ils l'appelleront peut-être pas comme ça. J'aime bien aussi le côté vintage. Et le fond est très beau. Le fond est vraiment stylé, c'est de l'aquarelle je pense. Mais la team volcan déchire tout. Ouais, Laetitia, ouais, la team volcan, ouais. Ouais, ouais, ouais. Merci Scraptif, en tout cas, merci beaucoup. Non, ça ressemble pas du tout à Johanna, carrément pas. On passe à la 31e, celle de Colosso, qui nous a fait un Game of Thrones. Ah, la cité étoilée, ouais, je sais pas comment ils l'appelleront, on verra bien. C'est peut-être une bêtise. Peut-être, peut-être. Ce colo de la mort. Je l'ai fait aussi, celui-là. Et c'est de la folie, ça. Pourquoi ? Non, en vrai, tu l'as... Alors, en vrai, elle l'avait déjà commencé. Et du coup, elle a eu la motive de le terminer parce qu'il y avait des montagnes derrière. Donc, en soi, je me dis, tu n'as pas fait cette folie juste à cause de moi. Je l'avais déjà commencé. Ça va. Ça me rassure un petit... Un garçon. Oui, c'est le roi de la nuit. C'est pas la reine de la nuit. Donc... Mort, mais... Ouais, non, mais c'est humanoïde, un marcheur blanc, ça marche. Plein de garçons. Ouais, mais il y a des femmes aussi, hein. Il y a quelques femmes, hein. Je veux pas dire, mais... Non, mais après, s'il faut genrer tous les persos, on n'est pas sortis. Commencer en avril, bah, GG de l'avoir terminé, en tout cas. Ouais. J'en ai pas des très bons souvenirs, hein, de ce colo. Ça m'a bien pris la tête. J'espère que tu as pris plus de plaisir. Je suis très fan de ton armure. On voit hyper bien les détails et c'est hyper lumineux. Je m'attendais à plus de dragons. Et ben, je pense que la plupart vous vous êtes dit c'est peut-être dragon le bonus. Mais en même temps... Ah mais attends, saut. Non, j'ai cru. C'est pas un dragon ça. Parce qu'ils ont des dragons... Enfin il a un dragon lui. Non, je pense que c'est ton ciel. Je suis en train de voir des pareidolies dans ton... Ok, non, c'est moi qui surinterprète des nuages. Tout va bien. Merci beaucoup. Mes 56 garçons, tu les as comptés? Ok, ouais, bah tu m'étonnes, en même temps tu les as coloriés. Merci beaucoup, So, en tout cas. On passe à la 32e participation et retour dans le Fantogéo avec Tipeee qui nous a fait aussi ce serpent au milieu de la chaîne de montagne avec plein de splash. Je suis pas sûre qu'il l'ait à ce moment-là, Néo. Je sais plus. Peut-être pas, ouais. Dragon. Ah ! Il a volé un dragon, ouais, c'est vrai. Oh, c'est un détail, ça. Non, il l'avait pas encore, ok. Après, il aurait pu le rajouter, genre, saut. Ouais, duo avec Athéniane, c'est ça. Duo improvisé. Ah, qu'est-ce qui se passe? Comment ça vous étiez d'accord? Vous aviez fait un deal qui n'a pas été respecté, c'est ça? Ouais, le serpent il ressort de fou.
au milieu de la chaîne de montagne, qui est sombre. C'est hyper chouette. Ouais, il est plus ténébreux, c'est vrai. On est encore raccord sans se concerter. Ah ! Le serpent, ouais, de fou. On voit que lui. On a les mêmes thèmes sans se concerter. Ok. Ok, ok. Hâte de voir si je vais réussir à vous mettre en désaccord la prochaine fois. Merci beaucoup, Tipeee. Ouais, le contraste, il est fou. Merci. On passe à la 33e participation, celle de Mélo, qui nous a fait un Camila Derico. Non. Si. Non. Si. C'est du Camila Derico, Mélo, hein. Non. Si. Je vais y arriver. Ouais, c'est ça. Avec bonus dragon. Un dragon. J'adore ce dragon. Il a l'air un peu... Il a l'air un peu pato. Je sais pas ce que t'en penses. Genre, il a l'air un peu... Tu sais, genre le dragon pas doué. Tu vois. Genre le dragon qui trébuche. Ou qui vole de travers. Il a l'air joyeux. Ouais, oui, c'est... C'est notre façon de le dire. Oisif. Ouais, un peu. Un peu jeune. Tu sais, jeune dragon, pas très bien éduqué. Et j'adore ton ciel. Oh, une pomme. Oh, un pissenlit. Pardon. J'aurais rajouté un petit... Oh, un pissenlit, juste là, mais... Ah oui, c'est vrai qu'il non, il a l'air gentil, j'avoue. Il veut faire sortir de fou. Ah oui, non, mais il a l'air trop gentil. Je pense c'est le dragon gentil. Coucou Tara, merci pour ton colo. On t'a vu déjà. Bah merci beaucoup Mélo. Merci à toi. D'ailleurs c'est le... Enfin toi et le duo c'est les seuls Camila Derico qu'on a eu. Merci. On passe à la 34e participation. Et c'est la gagnante des deux bonus. Oui. Elle nous a fait un personnage masculin et un dragon. C'est la seule. Bibou. Bravo Bibou. Je suis invisible. Non. Je t'ai vu. Et elle nous a même fait un personnage aux couleurs d'Eterinia. Donc, j'aurais dû le faire... Allez, celui-là, je compte 18 points. Voilà, comme ça. Comme ça, il n'y a pas de doute sur le vainqueur. 18 points. Alors, il en vaut 6, en vrai, c'est énorme. Ah, c'est dans quel livre? Bon, bonne question. Je sais pas. Voilà. Yes. Non, ça ressemble à... Ça ressemble vite fait à du Chris Ortega, mais c'est pas du Chris Ortega. Coucou Lizzie, pas de soucis, t'inquiète. Eh ben j'espère que t'as bien profité de tous ces beaux colos. Non, c'est pas Hadès et Perséphone. Lilu a été créé pour la bataille. Ouais, en fait c'est Bibou qui l'a dessiné. Non, je sais pas qui c'est en vrai. Je sais pas qui a fait ça. Il y a des fioritures. Ah, elle a mis du stickers. C'est beau. Je sais pas qui c'est. Elle est belle, Lilu, hein. Très très belle. Et elle va tellement bien avec, avec notre histoire. Mais je sais pas. Je ne sais pas. C'est peut-être du Célina Fenech. Possible. Eh bah écoute, Bibou, si jamais tu passes par là, n'hésite pas à nous le notifier. Voilà. Un cœur. J'adore. Pardon, Wizbot. J'adore Wizbot. Wizbot, c'est mon nouveau... C'est mon nouveau bestie. Ah, The Briard. Ok. Eh ben, je connais pas du tout. Eh ben, merci en tout cas de ta participation et de tes efforts. Du coup, t'as eu les deux bonus. Ah, on l'a pas vu. Oh non, t'es passé inaperçu, désolée. Non. Ah oui, oui, The Briard, tu l'as dit en plus. Merci à toi. Et on passe à la dernière participation, celle de Abstrait, qui nous a fait... Ah, attendez, tac. Qui nous a refait le dragon pissenlit de Camila Derico, mais en violet cette fois. Très joli petit dragon violet. Hyper chouette. Voilà, c'est un vrai duo, c'est pas un duo
improvisé. Enfin, je pense que c'est un vrai duo parce que je l'ai reçu en même temps. Donc j'imagine que vous vous êtes concerté quand même pour me le rendre en même temps. Ouais, le choix de couleur est très sympa aussi. Il fait un peu, son dragon, il fait un peu penser à un Pokémon ténébreux. Un chercheur de pissenlit. Bah, le sien, il fait plus creepy, je trouve. Il a l'air moins gentil que celui de Mello. C'est pas le même mood. C'est un peu son jumeau maléfique. En tout cas, votre duo est super chouette. Très canon. Je vais enlever mes pieds de ma trousse, moi, avant de remettre ma cam, parce que... J'ai une posture de plus en plus allongée, je vais finir par terre. J'ai aucune tenue quand j'ai pas de webcam, je... Vous n'imaginez même pas. Il vaut mieux pas, d'ailleurs. Eh ben, merci beaucoup, Abstrait. Bon, alors, comme vous avez pu le constater, la team Volcan a gagné. Bravo, hein. Un anime... Ouais, de fou. On va repasser... Bravo, la team Volcan. Tes pieds dans la... Ouais, la trousse que sur le bureau. Laisse tomber, Tipeee. Hop. Merci aux participants. Mais non, je vous fais pas des doigts. Ça va pas la tête. Flemme, tu m'étonnes. Ouais, c'est moi qui vais tomber, en fait. Ouais, j'avoue, Néo. Ouais. Ça me fait, hein. Merci, tout le monde. Non, GG les montagnes. Hein. C'est les montagnes. Non, mais... Victoire majoritaire. Vous aviez plus de bonus, donc vous avez fait beaucoup de points. J'ai même pas compté, hein, je vous avoue. Il y avait à peu près 10 colos d'écart, mais vous aviez beaucoup plus de bonus, la team montagne. Je vais vous passer la cinématique. Hop. Alors, attendez. C'est la panique. Tac. Ah. Alors. J'ai loupé... Non. Je voulais voir si vous suiviez, voyons. Alors... Je vais vous donner vos tentacules. Comme ça, vous pouvez les savourer. Hop, c'est la team montagne qui a gagné. Était-ce la bonne solution? Était-ce le bon choix? Je vous ai dit, il y avait un bon choix et un choix extrêmement pourri. Hop. Est-ce que vous avez fait le bon choix? Est-ce que vous avez fait le choix pourri? Eh bien, vous allez le savoir tout de suite. Je vous laisse avec, hop, la cinématique... Et je vous retrouve dans 4 minutes. Attendez, je vais couper mon micro. Comme ça, je vous embête pas avec mes bruits parasites. Allez, à tout de suite. Silas a toujours été là pour elle et ne l'a jamais trahi. Elle décide donc de le suivre, malgré son envie de retrouver son frère. Mais au moment de quitter le sanctuaire du feu, un cor de guerre retentit. Silas pousse Eterinia et dit... Les dragons, c'est un signal, reste loin, ne t'en mêle pas. Bouche bée, Eterinia assiste alors à un spectacle renversant. Alors que 3 grands dragons de feu chargent sur eux, Silas laisse tomber sa cape et son épée. Sa peau se déchire dans son dos, laissant apparaître 2 gigantesques ailes vertes. Ses bras et ses jambes se transforment alors en pattes, et son visage émacié en gueule menaçante. Le cœur de la feuille bat à 200 à l'heure. Un combat s'engage entre les 4 dragons. Silas fait sortir des racines de l'aile de mine du sol, retenant 2 des dragons, tandis qu'il attaque l'autre. Mais l'un des dragons se libère et mord violemment Silas à la gorge, faisant gicler des flots de sang. Non ! Eterinia se lève et de toute son autorité, lève la main en direction des dragons de feu, leur ordonnant de partir. Ils s'exécutent, une fois les racines rentrées à nouveau dans la terre. Elle se rapproche alors du corps blessé du dragon vert et s'empresse de guérir son cou grâce à son éther de l'eau. Silas ! Pourquoi tu ne m'as pas dit plus tôt que tu étais un dragon? En réalité, Silas n'est pas mon nom. Je m'appelle Horos. Horos? Comme le dragon de terre qui a créé les failles et combattu Chaos? Oui, Eterinia. Mais je croyais que vous étiez mort. Après la chute de Chaos, j'ai été très affaiblie. J'ai donc pris une forme humaine qui demande beaucoup moins d'énergie. Alors vous saviez qui j'étais quand vous m'avez libérée? Je te suis depuis ta naissance, Eterinia. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai de si spécial? Tu as la réponse en toi. Tu l'as vu dans la prophétie. La lumière. J'ai vu de la lumière. Oui, tu es la clé pour libérer l'Eldowin et empêcher le retour de Chaos, malgré que son sang coule dans tes veines. Quoi? Ta connexion avec les dragons de feu.
ce chaos que tu génères dans chacun des sanctuaires. Ton pouvoir fait peur à l'Eldowin, car il a la capacité de le détruire, pour accomplir le sombre dessein du Seigneur du Feu. Alors je suis une descendante de Chaos ? Valor aussi ? Non, Valor n'est pas ton frère. Les enfants de Chaos avaient bâti une forteresse dans laquelle ils faisaient perdurer leur sombre lignée. J'ai passé des siècles à les traquer, jusqu'à finir par les éliminer. Sauf un bébé, à peine né, une fille. Pourquoi m'avoir gardé en vie ? Vous auriez pu empêcher le retour de Chaos et enfin être en paix. J'ai vu la prophétie dans tes yeux. J'ai vu que tu libérerais l'Eldowin. Alors je t'ai déposé au sanctuaire de la Terre, chez deux druides qui désiraient avoir un deuxième enfant. Mais pourquoi ne pas m'avoir dit tout ça plus tôt ? Je ne voulais pas que tu prennes peur, et surtout, je voulais voir ce que tu valais, sans l'ego et sans la responsabilité qui t'incombe. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Le sanctuaire du feu est corrompu. On doit s'éloigner à tout prix. Valor et les autres fidèles ont dû prêter serment envers Chaos, sûrement en échange du pouvoir de l'Eldowin. Et Terinia, j'admire ton enthousiasme. Tu es jeune et tu ne mérites pas tout ça, mais... Mais quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Je pense que ta mort sera nécessaire si on veut sauver les Landes. Le cœur d'Eterinia manque un battement. Il vient de lui offrir le monde, puis de tout lui reprendre. Mais elle a encore le choix. Elle peut se débarrasser de Silas, sauver sa vie et retourner vers Valor où elle sera adulée comme une déesse, comme dans ses visions. Où elle peut consentir à ce sacrifice, suivre Silas dans la forêt et accepter son funeste destin. Ça va, tout le monde va bien? Vous êtes pas mort, ça va? Émotionnellement? Mais non! Non! J'aurais trop voulu voir vos têtes. Je prends un sac pour respirer. Ça a été avec vos respirations dans les sacs et tout. Est-ce que quelqu'un a besoin d'un docteur? Ou pas? Quelqu'un a besoin d'un docteur? Ça va bien se passer. Sacré nom d'un petit bonhomme! Ah, j'ai oublié d'ailleurs d'importer le... l'image. Merci. Alors, qui avait spotted Silas? Parce que Mamie avait spotted. Hein. Mamie avait spotted Silas Dragon. Ah, Suki aussi, ok. Mamie aussi m'en a parlé la semaine dernière. Mamie avait regretté son choix, d'ailleurs, de volcan. Donc vous aviez fait... Là, c'était le choix le mieux hein, que vous avez pris. Silas, c'était le choix du bien, on va dire. Je m'en doutais, ouais. Il commençait à y avoir des signes. Vu les indices que je vous ai laissés la dernière fois. Ouais, t'as fait aller vers Silas, ouais. Bah, Valor, ça aurait été le choix du mal, quoi. Valor était fumeux, ouais. Voilà, voilà. Donc maintenant, il va falloir faire un choix. Faut se méfier des BG. Grave. Trop beau pour être sympa, ouais. Vous avez aimé ce magnifique dragon vert créé par intelligence artificielle parce que je trouvais pas de dragon vert ? Je sais pas si vous avez vu, il lui manquait des dents. Bref, je vous affiche le thème tout de suite. Je cherche juste... des scoops avec Silas, ouais. Ah, c'était pas n'importe qui, Silas. Il y a pas beaucoup de personnages dans l'histoire, donc je leur ai donné de l'importance. Et oui, il lui manque des dents. Et puis, il y a deux dragons différents, ça a été généré par la même IA. Mais des fois, j'ai pas le choix. Alors, ça, c'est pas le dernier choix, c'est l'avant-dernier. Voilà. Il faudrait se sacrifier ou faire le mal. Ouais. Ah, faut que je vous embête un peu. C'est pas drôle, sinon. Donc, j'essaie de vous trouver le thème. Vous avez une idée du coup du thème de Colo ? Tout le monde s'en fout du thème de Colo. C'est ce que vous vouliez, c'est la cinématique. C'est ça, hein ? Ouais, c'est ça. Il reste le même nombre. Ouais, du coup, ouais. Si elle meurt, il n'y a plus de choix après. Alors là, pour l'instant, il n'y a pas de question de sacrifice. Il y a question de... soit...
soit elle se retourne contre Silas pour sauver sa peau, et elle va vers son frère, où elle est sûre que... Enfin, son frère. Son frère qui n'est pas son frère, et elle embrasse le mal, mais au moins, elle sera safe. Oh, regardez, Yaella. Ou elle accepte de suivre Silas. Donc, si elle suit Silas, il y aura une suite dans la forêt. Mais pareil, si elle retourne vers Valor, il y aura quand même une suite. Dans tous les cas, il y a une suite. Tu fais quoi, Momo? Oui, viens, Momo. Hop là. Aïe! T'es pas douée aujourd'hui. Je suis en short et elle arrête pas de me planter. DS, ah, ça aurait pu être ça. Alors, les deux teams. Team 1, si vous choisissez de sauver votre peau, vous me ferez un coloriage qui représente le chaos. Avec comme bonus du sang. Du sang, du sang. Oh non! Et team 2, le contraire, la paix. Avec comme bonus la forêt. La forêt. Ça va? Jusqu'au 15 août. Et le stream, c'est le 17. J'explique les thèmes, parce que c'est assez vaste. En fait, c'est un peu vous qui allez... Ah, des poils. Garde-les, tes poils. C'est vous qui allez faire un peu votre soupe. Et faire un peu le... C'est un peu abstrait comme thème. C'est votre vision des choses. Le chaos, ça peut être... Alors, les exemples, ça va être dur, parce que ça va être ma vision du chaos. Le chaos, ça peut être du feu, des situations, ouais, une ambiance de fou, des situations dans lesquelles vous aimeriez pas forcément être. Là, par exemple, tout ce qui était éruption volcanique, c'était très chaotique. Tout ce qui va être orage, tempête, c'est votre vision du chaos. Ça peut être de la violence, ça peut être des choses effrayantes, du creepy. Voilà, c'est votre vision du chaos. C'est à vous de représenter le chaos. Et la paix, ça va être des choses cocooning, la famille, de l'amour. Hein. Voilà, voilà. Bonus forêt pour la paix, je vous conseille de choisir un colo qui vous plaît et après de rajouter une forêt, genre de rajouter des troncs d'arbres dans le fond. C'est assez facile à rajouter. C'est plus facile que de devoir trouver un colo forêt qui est en plus qui représente la paix. Ou ça peut être une ambiance directement de forêt qui vous inspire quelque chose de paisible. Un cœur, hein? Un colo qui a dit cœur, ouais. Voilà. Pour le sacrifice, le cœur, tout ça. Voilà, voilà. Ouais, une forêt paisible, un endroit qui vous rassure, où vous aimeriez bien être. Et le chaos, tout le contraire. Un endroit où vous aimeriez vraiment pas être. Un cauchemar contre un rêve, ça peut être ça aussi, de façon plus imagée. J'aurais pu mettre cauchemar contre rêve, mais c'était un petit peu trop vaste. Merci, t'es trop rapide, Néo. Merci. Merci beaucoup. Donc là, j'aurai 2 jours pour faire la cinématique, c'est bien. Il a parlé à Néo tout à l'heure aussi. T'as vu, non mais... Il répond maintenant. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai un point supplémentaire à soulever. Le fait que Silas ait été gentil avec vous, ça aurait pas forcément été le cas. Vous avez fait tous les choix qui font que Silas vous a vu comme quelqu'un, enfin a vu Eterinia comme quelqu'un de gentil. Genre, le fait que vous ayez parlé au Kraken, ça joue en votre faveur. Le fait que vous ayez essayé de sauver le gars, ça joue en votre faveur. Le fait que vous n'ayez pas tué le dragon, c'était ça. Non, c'était pas tué le dragon. Attendez, c'était quoi la suite? En fait, vous avez fait tous les bons choix. Absolument tous les bons choix. Ce qui fait que Silas a été gentil avec vous. Parce que si vous aviez fait des mauvais choix à détruire la ville, si vous aviez détruit la ville, Silas il aurait été hyper agressif avec vous et vous auriez dû vous défendre. Silas vous aurait attaqué sous forme de dragon. Voilà. Donc en fait, tout ce que vous avez fait, ça a permis que... moi ça a pas été compliqué parce que en fait j'avais fait un 50-50. J'avais dit, si jamais vous détruisez la ville, même si vous avez fait tout bien avant, il va vous attaquer. Mais là, vous avez fait tous les bons choix, de A à Z, pour que Silas soit cool, et qu'il laisse sa chance à Eterinia. Qu'il essaie pas juste de l'agresser, en fait. Voilà. Ouais, vous avez une bonne relation avec Silas. Ça va. Merci, Tipeee.
Ouais, vous avez essayé de protéger le dragon. Non, ça, c'était pas positif. C'était un des trucs négatifs. Mais en vrai, ça va. Point de réputation, ouais, ça va. La réputation était assez bonne avec Silas. Tout va bien. Mais faut se sacrifier. Non, mais... T'es pas obligé, hein, tu peux retourner voir ton frère et devenir le maître du monde. Comme on avait fait sur Baldur's Gate. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. De toute façon, on va rester un peu ensemble, on va finir ça. Et puis voilà. J'ai roulé sur quoi, là? Ça a fait un bruit croustillant. C'est toi, Moumou. C'est toi qui est croustillante, comme ça. J'avais trop hâte de vous montrer cette battle, là. Merci. Oui, j'ai exactement croque-mou. Bien vu. C'est pour ça que j'ai aussi dit à ma mamie de bien regarder la première cinématique, la toute première cinématique sur les dragons, qui est la plus importante en fait, finalement. Merci Athénian. Oh, des exemples, ça sert à rien sans Dilly, parce que c'est très personnel. Moi, le chaos, je l'aurais plutôt représenté dans ma mise en couleur que dans l'illu. Genre des splashes, du bordel et tout. Mais je participe pas, puisque... Voilà, c'est logique. Donc là, je vous ai pas montré... Je vous en ai montré un peu dans le vlog. Mais en vrai, c'est pas hyper utile. C'est vraiment votre perception des choses. Ah ouh ! Il y a un loup-garou dehors. Préparez-vous. Il y a des loups-garous. J'ai pas fini ta rediff. Il reste une seule... Alors... Attends. Laisse-moi réfléchir. Donc là... Vous allez avoir une des conséquences, et après ce sera le dernier choix. Après celui-là, c'est le dernier choix. Je sais pas si c'est clair. Donc il me reste deux cinématiques. La cinématique prochaine avec le dernier choix, et la cinématique de fin. Voilà. Mais vous, il vous restera un choix. Ouais, c'est ça. Tant mieux, ça, c'est trop cool. Contente que ça vous plaise. Parce que c'est dur de construire un truc... Parce que je peux pas aller trop dans les détails. Il y a plein de détails que j'ai écrits et je peux pas rentrer là-dedans puisque... Bah, le format est... Enfin... Le truc, c'est que... Moi, je serais très tentée de vous faire des histoires plus longues. Mais le truc, c'est la cinématique au niveau du montage. Ça va me prendre 800 ans. Donc je suis obligée de décourter à chaque fois ce que j'écris pour pas que ça dure 800 ans. Je peux pas faire non plus 800 000 personnages parce que c'est qu'en 12 fois, donc c'est de la grande... C'est une nouvelle, en fait, une grande nouvelle. C'est pas un roman, c'est pas... Donc, ouais. Je l'ai fait au début, croque-mou, ouais. Oui, je l'ai fait... J'ai tout écrit au début. Je sais pas si je ferai ça sur la prochaine, honnêtement, ou si ce sera plus au fil du temps. Mais tout était ancré... En septembre, j'ai tout fait. Claque des tongs dehors, les gens. Faut que je le rachète, ce petit crayon, là. Il est trop important. Ça se termine... Ouais, non, mais... Les mises en... Bien sûr, ouais, j'accepte tout, Elsa. Mise en couleur numérique, y a aucun problème. On n'a jamais eu, mais c'est... J'ai aucun... Rien ne me dérange. Vous faites tout ce que vous voulez. Tant que ça rentre dans le thème... Qu'on voit bien si c'est le chaos ou la paix. Et si c'est pas clair, je vous le redemanderai. C'est pas grave, je le noterai. Puisque c'est votre perception, je veux vraiment que vous fassiez votre perception. Ça peut être très, très perso, ce genre de thème. On va voir si vous choisissez de vous sacrifier ou pas. On va voir comment vous êtes. Depuis le début, vous essayez d'empêcher Eterinia de mourir. Est-ce que vous allez faire les choses pour empêcher Eterinia de mourir? Hâte de voir ça. Jusqu'à quel niveau vous voulez la sauver? Très très hâte de voir. Pour ceux qui se connaissent bien... Ouais. Oui, bah après vous êtes... Vous n'êtes pas tous à vous connaître en soi. Puis des fois, on peut être surpris. Hein.
Bonne fin de soirée, Maëva. Mes premiers pas dans le numérique, trop bien. Mais oui, c'est... Attends. C'est toi qui t'entraînes sur Insta, qui suit des cours, qui a fait des flamants roses il y a pas longtemps. C'est toi, Elsa, hein. J'ai vu. C'est chouette, en vrai. Ah, c'est vrai, Carole. C'est vrai aussi. La question à se poser, c'est est-ce que je serais assez cruelle pour tuer Eterinia ? La réponse, oui. Mais t'as raison. Néanmoins, tu n'as pas tort. C'est beau d'y croire, en tout cas. Je vous ai pas dit ce qui se serait passé, au fait, si vous aviez choisi Valor. Si vous aviez choisi Valor, il vous aurait vendu le truc de façon un peu différente, même très différente, en mode « tu es l'élu, tu vas sauver le monde ». Mais pour sauver le monde, il va falloir détruire l'Eldowin. Ah ! Voilà ce qui se serait passé. Et il vous aurait aussi dit de tuer Silas pour absorber son pouvoir. Voilà, voilà. Et vous auriez tué Silas pour absorber son pouvoir. C'est terrible, c'est affreux. L'Eldowin va la ressusciter. C'est possible. Ou peut-être que vous vous bercez d'illusions, et que juste elle va mourir, elle va sauver le monde, et tout le monde la connaîtra en mode « Bravo, Eterinia, la légende, tout. » Oui, peut-être. Après, ce serait un peu plat, quand même. Mais pourquoi pas ? Genre, je vous fais une petite frayeur, quoi. Vous avez un peu trop la confiance, quand même. On a échappé à tout ça, ouais. Ah, Moumou ! Laisse-nous nous bercer. Je vous laisse. Mais j'aime bien voir vos pronostics. J'ai grave débordé, mais c'est pas grave, il y aura un fond. Mais mon coton-tige, il est bizarre, il est tout... Ah, forêt, c'est combien ? Alors, j'ai dit 4, je crois, dans mon... Dans le vlog, j'ai dit 4, je crois. Au moins 4 troncs d'arbres. Parce que, tu sais, des fois, tu rajoutes juste les troncs, il n'y a pas forcément les feuilles. Au moins 4. Pas un arbre dans un coin, c'est pas une forêt, quoi. Le chiffre random, tu sais. Dans le prochain Call of Battle Histoire, on fait une Neville Run. Bah, vous pouvez finir en Neville Run, hein, ça, là. Vous pouvez sauver votre peau, hein. C'est bien, aussi. Surtout qu'elle avait très envie de retrouver son frère, donc... Je sais pas si vous entendez les ronrons de Moumou, mais... Ah, t'as des pellicules, Moumou. Oh no. Elle va se détendre, acceptant. Lâcher un paix apocalyptique tout anéantir. La prophétie. Le feu, le gaz, c'est pas ouf. Hein. C'est même pour son frère, ça se trouve, elle va le pêcher. Mais non, elle a grandi avec, quand même. So, arrête, elle a grandi avec. C'est comme son frère, quand même. J'ai trouvé mon colo. Mais oui, en vrai, j'ai pas réfléchi à ça, mais... Ça se pourrait que si elle devenait... Enfin, en fait, il la vénérerait comme une déesse, là, si elle le rejoignait, donc... En vrai, ça pourrait, hein. Ce serait chelou, j'ai pas réfléchi, mais oui. Oui, ça se pourrait. So, t'es trop imprégné de Game of Thrones. T'es trop House of the Dragon, là. Je suis pas... Je suis pas l'auteur de Game of Thrones. J'ai pas forcément pensé à faire ça, j'avoue. Mais ouais, oui. Ouais. Non. Je sais pas. Tu pars en guerre. De fou. So, non. Ah, mais c'est des animes, ça, ils sont... Ça, les japonais... Les japonais, il y a des trucs... Il y a des kinks un peu chelous, quand même. Ils ont des problèmes avec ça. Avec les relations frères-sœurs et tout, ils ont des problèmes. Enfin, pas qu'avec ça, d'ailleurs, mais... Bref. Plus de batterie. Ah. Bah, c'est embêtant. C'est rare qu'elle ait plus de batterie, ma tablette.
Je l'ai pourtant pas beaucoup utilisé. C'est pas grave, hein. Au pire, on verra plus ma tête. Et puis c'est tout. Ainsi soit-il. J'ai chaud. Mais je vais résister. Mais il fait 20 degrés dehors, j'ai l'impression qu'il fait, il fait 40 là. C'est horrible. C'est le PCS. Hein. Ça chauffe, ça chauffe. Donc ouais, prochaine battle. Après celle-là, ça va être un peu spécial. Je vous en dis pas plus, mais c'est inédit, ça a jamais été comme ça. J'ai hâte de voir aussi. Puis bah, ce sera la dernière cinématique. Et après, quand je vous aurai donné la dernière cinématique, il y aura une battle sans cinématique. Genre, ce sera pour choisir la prochaine histoire. Donc, vous aurez un thème, mais pas de cinématique. On va juste placer l'histoire au départ. Donc, je vais pas vous faire des cinématiques pour ça. Puis vous aurez la dernière cinématique que je vais essayer de rendre épique. Enfin, je pense pas à faire juste la dernière cinématique. Je pense que je vais tout vous remettre ensemble. Comme ça fera un gros film. Ce sera chouette. Ça va durer au moins une demi-heure. Avec tout ce qu'on a fait. Non, croque-mou. Non, j'ai bien trop de colo. Avec le projet livre, en plus, je vais vous réduire les récompenses le samedi. Parce que là, je peux déjà pas faire mes colos du mois. Donc, non. Pas de récompense aujourd'hui. Samedi. Un film ! Ouais. On sortira les popcorns. Non, mais en vrai, il y en a bien pour une demi-heure, hein. Facile, je crois. Oui. En septembre, du coup, on commencera. Question existentielle. Vas-y, et là, je t'en prie. Soirée film avec toutes les cinématiques. Je vous mettrai tout, hein, vous inquiétez pas. Je vous mettrai tout comme ça. Vous aurez pas à le faire manuellement, on va dire. Ne vous inquiétez pas. On était déjà à 20 minutes. Ah ouais, on va presque avoir une heure. Oh, GG, Athénienne. Quand même. Vous avez gagné un peu de tentacules, du coup. C'est bien. Il y avait quand même des belles mises, hein, des deux côtés, ça va. Oui, Sandili. Oui, tout à fait. Avec un tout autre univers. Les chromaflots, ils sont vraiment sympas. Et là, vraiment cool. En vrai, ouais, si tu peux avoir la gamme complète, ils sont très cool. J'en ai jamais... Ouais, bah si t'aimes les polis, t'aimeras relativement bien les chromaflots, je pense. C'est plus huileux que cireux. Ils sont pas mal, en vrai. Plus de 98K, oh my god. Juste pour Athénienne, je vais faire des récompenses à 50 000. Pour que tu te débarrasses un peu de tes tentacules. J'adore les polis. Ah, mais moi aussi. Ouais, je pense que tu pourrais aimer les chromaflots si t'aimes les polis. Puis si la promo vaut le coup. J'ai essayé, ouais, mais t'as gagné, pas de chance. Non mais... Samedi prochain, on fera le dalk des Tipeee Doodle, du coup. T'aimes pas les chromas, mais t'aimes pas les polis. Ouais, ils se ressemblent un peu, hein. Vite fait. Hein. Les polis sont nettement mieux. Mais les chromaflots, ils ressemblent un peu aux polis, en texture, on va dire. Et la petite veine, elle est beaucoup plus foncée.
aussi, il faudrait que je dessine son antenne. Que j'ai pas pu faire ici. C'est pas grave. Qu'est-ce que vous faites, les chats? J'entends des bruits bizarres. Et à chaque fois que je me retourne, ils sont dans une posture étrange. Genre debout contre un mur ou... Je sais pas ce qu'il y a dans l'appart qui vole, mais... Des trucs invisibles, apparemment. Mais voilà, les récompenses, on va devoir se calmer un peu parce que... Là, je suis en retard sur ma pack du mois. Je trouve que j'ai pas fait assez de Disney défis. Et je suis à chaque fois pas en avance sur mes récompenses. C'est parce que je dessine beaucoup aussi. Donc, voilà. Là, j'aime bien, on est du dessin au taf. Comme ça, je me dis, voilà, je dessine au moins 4 heures par jour. Ça avance quand même bien. J'avance quand même pas mal en 4 heures. Bon, les mises en couleur, j'avoue, je serais pas obligée de les faire, mais j'aime bien. Je trouvais ça joli dans le carnet. Ça fait fini, quoi, j'aime bien. Ça me permet de tester et de voir un peu mieux s'il y a des traits à reprendre après. Alors, pour le fond. Eh ben, je ferais bien violet et vert, les couleurs de Us, même si c'était pas Us. Juste pour la ref, je vais choper un petit papier de brouillon. Je suis beaucoup trop loin. Youf là. À l'autre bout du monde, le papier, mais tout va bien. Ah bah bravo, Athéniane. T'as pas eu le temps. Non, voilà, le mois dernier, j'en ai fait plein, mais là... Je suis en train de me dire quand est-ce que je vais caser les deux mystères... C'est quoi ça? 8? Je m'en rappelle même pas. Ah, c'était... Ah, si, c'était pour... Dans le monde fantastique. Ça date de fou. Oh, faut que j'y retourne dans le monde fantastique. D'ailleurs, il est pas à 25%. Ok, j'ai dit violet et vert. C'est ce que j'ai dit. Bah, faut le faire maintenant. Ouais, je comprends, Athéniane. J'ai cru que c'était du vert, premier degré, c'est du bleu. Oula. Après, j'avoue, je suis un peu éclatée de fatigue, là. J'ai bien nagé cet après-midi. Puis on a fait, vous savez, les saunas où, genre, en fait... 10 minutes, un quart d'heure, et après vous prenez une douche froide. On l'a fait 3 fois. Et c'est tellement fatigant de faire ça. Ça brise ton corps, carrément. J'ai pas de blender. Je vais pas vous montrer mon short parce que c'est un short cute avec des omelettes cute. Je veux pas que vous me voyez porter ça, en fait. Regardez mon beau t-shirt Harry Potter. Voilà. Je porte pas du tout des shorts kawaii avec des omelettes dessus. C'est pas vrai. Bonne soirée, Carole. Alors. J'espère que le violet, il sera suffisamment foncé. Coucou, petit bout. Je fais vraiment des fonds tout simples. Pareil, j'ai encore, du coup, la question qui se pose par rapport au... Au fond de mes colos que je fais, parce que alors j'ai regardé sur un fond un peu genre parchemin et tout, ça rend super bien. Le problème, c'est pour l'impression, parce que c'est des impressions couleur, du coup, donc j'imagine que c'est différent. Donc je sais pas si j'imprime sur du parchemin ou pas. Je pense que le line, je vais le laisser en noir parce que c'est quand même plus sympa. Je me dis, j'ai peur que marron foncé, genre sur du marron plus clair, vous soyez pas très à l'aise visuellement. Donc je sais pas trop. Ou alors juste je fais imprimer, enfin j'envoie des trucs en blanc et je fais imprimer sur un papier un petit peu jaune, quoi. Mais il y aura pas les effets parchemin. Et c'est vrai que c'est cool quand même. Je trouve ça stylé. C'est original en plus. Je sais pas.
Loki, qu'est-ce que tu fous sur le comptoir? Ouais, bien sûr, Suki. Bah attends, je termine ça et je vous fais un flip. Pas de soucis. J'ai mis mes coins. Ah, je me suis passé un coup sur l'ongle. Une fois, je me suis fait une manucure à l'encre. Bah, ça tient quand même bien. Ouais, non, mais bien sûr, mais après, je le fais pas pour la thune. Mais oui, que ça me revienne pas plus cher que... Mais du coup, la campagne Ulule, ça peut être cool. Pour au moins financer l'impression. Après, je vais pas en imprimer 40 000, hein. Je me fais pas de... Je me fais pas non plus de... Je compte pas en imprimer 50 millions, donc... Je vais voir. Hop. Alors. Excusez-moi, je vous ai fait bouger. Oui, non mais oui, bien sûr. Mais après... Tant que ça rembourse les frais, moi ça me va. Hop, on avait lui. Le flagellure. On avait lui. Alors lui, ce sera Call Spectateur, du coup. Bah, vous l'avez vu, je suis con. C'est le seul que j'ai repris en digital. Amende, je sais pas. J'avoue, je sais pas du tout. Spectateur. Alors lui, ce sera pas lui, je pense, parce que j'aime pas le dessin. Donc soit je le reprends de fou en digital, soit je le refais carrément. Il est mignon, mais du coup, c'est pas tout à fait ce que je voulais. Le bonnet rouge. Ouais, que vous m'avez vu faire samedi. Là, j'ai tenté un fond parchemin avec l'écriture. Je voulais voir un peu ce que ça rendait. Ça rend mieux quand c'est fait en digital, le parchemin, que là, mais c'était pas mal. Ça. Bah lui, du coup, le petit cerveau. La petite araignée de ce matin. Qui a une tête de morse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça a une tête de morse, on est d'accord. En fait, j'ai commencé par ça. J'ai commencé par les deux trucs. On dirait les trucs des morses. Bref. Ça, j'ai trop envie de le colorier, par contre, vraiment. Et la bulette. La bulette où il manque un bout, parce que je suis incapable de dessiner dans les bonnes proportions, donc ça dépasse. Mais c'est pas grave, il y a le digital, on s'en fout. Voilà la bulette. Et en prochain, je sais pas ce que je vais faire. À la base, j'étais partie... À la place de l'araignée, j'étais partie pour faire une mimique. Vous savez, le coffre. Et en fait, je me suis dit, mais je l'ai fait il y a un mois. Donc autant juste reprendre ce que j'avais déjà fait. Plutôt que de refaire en papier, après refaire en... Enfin, flemme, en fait. J'ai déjà assez de trucs à faire. Donc pour l'instant, je pense que je vais faire ça. Je vais faire un max de croquis, tout faire en papier. Et après, je passerai en digital et on passera au côté plus pour la création du livre, on va dire. Je pense que le digital, si je travaille que ça, je vais aller plus vite. Parce que là, le spectateur, j'ai mis presque 2h30, je crois, à le repasser. En vrai, c'est pas énorme, mais c'est que du repassage. C'est pas du dessin. Hein. C'est que du repassage en digital que je fais. Alors, puis j'ai pas fait les fioritures. Je pense que ce sera le plus long. Mais c'est pour ça, au moins, ça me laisse le temps de réfléchir à quelle fioriture, qu'est-ce que je garde. En vrai, ça s'apprend, Athénia, non? Ça s'apprend. Mais vraiment, j'y trouve un plaisir qui est complémentaire avec le colo. Genre, ça me dérange de moins en moins de... En fait, je me dis pas, quand je dessine, vu que j'ai le projet, je me dis pas... Oh, je suis pas en train de colorier, j'ai plein de choses à avancer et tout. Oui, tout à fait, Sandy Lee, ouais. Ça me donne, on va dire, un but. Je me dis, j'adore en fait le faire, c'est pas du tout une corvée. Puis ça me donne un but. Comme pour les colos, en fait, je les colorie pour terminer les bouquins. Et ben là, je les dessine pour en faire un livre. Donc ça me fait un but. Et j'aime bien, j'avoue. Bon, il y a la petite partie anxiété hein, qui arrive à des moments, mais j'essaie de me... Je me dis créativité. Bah, au niveau des proportions, je suis pas non plus... Moi, je fais très à l'œil, mais genre, je serais incapable de te faire... comment ça s'appelle de la perspective ou des choses comme ça. J'ai beaucoup de mal. Je travaille totalement à l'œil, et en vrai, c'est pas bien grave. Franchement, il y a moyen, même sans être
Moi, j'ai beaucoup de mal avec les repères dans l'espace et tout, donc la perspective, j'ai jamais réussi à la prendre. Perspective simple, ça va. Mais à partir du moment où on commence à y avoir plus de 2 points de fuite... Un objectif... Bah, non, mais tu sais, le fait de me dire, bah, je sais que je veux 30 illus. Ouais, j'ai vu que t'avais lâché, c'est dommage. Mais oui, 30 illus, donc c'est l'objectif. Donc là, tu vois, il y a plusieurs objectifs, ça va être de faire 30 croquis. Soit ça va aller assez vite, hein. 30 croquis, de les mettre en couleur parce que c'est beau dans le carnet. Ça sert à rien pour le livre, ça c'est vraiment juste pour moi. Et après, de les reprendre en digital. Donc ça fait 30. Donc ça me fait 90 trucs, entre guillemets. Et puis les trois étapes, je les aime bien. Donc en soi... Les décors, ouais. Bah, sur ça, je me suis dit, est-ce que c'est mieux de faire des décors ou pas? Mais en fait, pour ce livre-là, je veux vraiment du simple. Genre, je veux un peu en mode bestiaire simple, avec beaucoup de fioritures. Parce que là, il n'y en a pas de fioritures, c'est vraiment très, très basique. Je sais pas. Ouais, c'est ça, Suki, ça teste. Puis j'aime bien pour le carnet, je trouve ça beau. Puis vous avez vu, ça m'a pas pris longtemps. Je fais pas des mises en couleur de fou malade hein, sur ces... Je fais du très, très hérétique avec de l'essence, comme j'aime bien faire, quoi. Finalement. Je vais essayer, pour l'araignée de phase, qui est juste après, je vais essayer de la mettre en couleur, mais sans faire le line au bic, je vais voir. Je fais des tests en même temps. Puis je me dis que là, il est assez simple. Pour un premier livre, c'est facile. Enfin, les croquis me prennent vraiment pas longtemps. Hein. C'est pas très difficile à dessiner, genre, c'est des trucs assez simples. Donc c'est pour ça que je vais tout miser sur le style de fioriture, etc. Parce que j'ai quand même un style qui est chelou. Ouais, je vais mettre des noms. Bah, regarde, je vais te montrer le... Parce que t'étais pas là quand je l'ai montré. J'ai fait un premier tirage du spectateur que j'ai mis en digital. Et tu vois, ce sera un truc dans ce style-là. Ce sera peut-être pas ça, hein, exactement. Ouais, je veux que ce soit simple. Si j'en fais un deuxième, il y a de fortes chances, il sera moins simple. Il y aura plus de boulot, mais je serai moins stressée parce que je connaîtrai un peu le procédé, tu vois. Là, je voulais commencer par un truc simple parce que j'ai une autre idée, mais elle est beaucoup plus compliquée. Ça me prendra des mois. Les signer, je pense pas, non. Non, non. Je suis pas... Je signe pas mes colos, je signe pas mes dessins, j'avoue. Non, il y aura mon nom sur le titre. Enfin, sur la couve, mais... Mais non, je veux pas signer. J'ai même pas de signature artistique, entre guillemets. Non. C'est gentil, Aurélie. C'est gentil. De toute façon, il y aura une version digitale, hein, si jamais... Il y aura forcément une version digitale. Peu importe les couacs que j'aurai avec la version papier, mais je pense pas qu'il y en aura en soi, c'est juste... Donc voilà, je serais moins stressée. Ouais, je sais que certains le font. Non, je pense pas en vrai, Mélo. Bah, franchement, Aurélie, je pense qu'avant d'avoir fini les 30, je vous filerai au moins un ou deux freebies pour voir un peu ce que ça peut donner avec d'autres gens. Quand j'en aurai fini en digital, je pense que je vous enverrai des freebies. Là, il n'y a rien qui est terminé. Bah, il y avait déjà la mimique qui était dispo, mais la mimique, elle est sans fioriture, je vais la reprendre. Mais après, ouais, je pense que je vous filerai... Il y aura des testeurs. Il y aura des bêta-testeurs de ce livre, je pense. Pour voir comment ça rend et tout. Bah, de toute façon, le plus long, ça va être de les mettre en digital. C'est l'étape la plus longue. Que je suis vraiment rapide en croquis. C'est que des dessins simples. J'ai fait... Je vais vous montrer. Moi, non, mais tout le monde, hein, vous inquiétez pas, tous ceux du Discord. La commu, quoi, voilà. Hop. J'ai fait... D'ailleurs, faut que je le mette à jour. Hop. Si vous voulez, il y a... J'ai la liste, en fait, des dessins qu'il faut que je fasse, du coup. Il est où, mon surligneur? Parce que du coup, j'en ai terminé depuis. Toc, toc, toc. Enfin, terminé, c'est un grand mot. J'ai pas fait les illus finales, mais...
on va le dévorer d'intellect, on va déjà le mettre. La bête éclipsante. Donc ce qui est entre crochets, c'était une idée de base, mais qui finalement ne sera pas dans le bouquin, puisque je pourrais en faire autre chose, pour une autre idée. Donc ce sera pas... Ce sera pas dans le livre normalement, à moins que je veuille faire des bonus, mais je vais déjà faire ça, et je verrai la suite après. Bonnet rouge, c'est fait. Bon après, il y a quelques dessins qui sont bien plus difficiles que d'autres. L'araignée, je vais pas la surligner parce que je l'ai pas mise en couleur. Même si en vrai, on s'en fout. Ouais, vas-y, on s'en fout de la mise en couleur. La mise en couleur, c'est juste pour le carnet. C'est juste parce que j'aime bien. Donc, bullette, araignée, mimique, c'est fait aussi techniquement. Techniquement. C'est pas tout à fait fait, mais... Et voilà. Ouais. Ça, c'est ma petite liste que je m'étais fait en essayant de repenser au jeu. Et en retirant les trucs qui peuvent être des personnages, genre un personnage qu'on voit une fois, ça faisait pile 30. Donc c'était parfait. C'est à peu près ce que j'estimais, on va dire. C'est vachement bien tombé. Hein. Je vais pas vous mentir. Voilà, voilà. C'est ça. C'est ça le plan. Le plan d'attaque. Bon, en vrai, il y a plein de dessins qui me tentent. Genre, il y en a pas un où je me dis « Ah, j'ai vraiment pas envie de le faire ». Il y a que squelette où je sais que c'est très difficile, c'est assez difficile à dessiner parce que je le veux genre en mode un peu en train de tirer à l'arc ou un truc comme ça. Donc ouais, il y a peut-être deux dessins avec la dryade aussi qui vont être vachement compliqués, mais les autres ça devrait le faire je pense. J'ai essayé d'incorporer pas mal de persos humanoïdes parce que c'est cool qu'il n'y ait pas que des monstres. Du coup il y a quand même du perso humanoïde aussi. C'est cool. Voilà. Non, je m'en éloignerai pas. Ce sera Baldur aussi. Ce sera Baldur, mais ce sera des chibis Baldur, en fait, le prochain. Donc c'est carrément plus dur, mais moi de base, je dessine que des personnages humains. Et j'ai fait beaucoup de mangas. J'ai fait des années et des années de mangas. Alors ce sera pas du manga pur et dur, ce sera vraiment du semi-réaliste. C'est ce que je faisais. Mais du coup, il y aura un chara-design à chaque fois par rapport au perso et tout, remodelé, donc ce sera carrément plus long. Beaucoup plus intéressant d'un point de vue créatif. Là, c'est plus pour reprendre un peu le coup, mais beaucoup plus long à faire. Enfin, c'est pas des croquis qui vont me prendre une heure. Hein. Et de faire des chara-design, etc., c'est pas mes chara-design, mais c'est quand même, tu sais, adapter un style à un autre, c'est quand même pas... C'est quand même pas très facile, mais ça va être très intéressant. Beaucoup plus long, mais très intéressant. Donc je voulais pas commencer par un truc trop compliqué, même si j'ai déjà trop d'idées. Mais je voulais pas commencer par ça parce que c'est hyper compliqué comme idée de livre en fait. Surtout que les persos de Baldur c'est hyper vaste, il y en a un milliard. Enfin, puis moi tu sais je trouve tout le monde intéressant dans ce jeu en fait. Genre les champignons, non, ah les champignons, les myconides, ouais. Ouais, j'ai prévu de dessiner... Je sais pas du coup si je ferais genre le roi... Ou j'aime bien, tu sais, celui qui est méchant, là. La myconide... Spo, il s'appelle. J'aime bien lui, parce qu'il a un physique particulier. Il y aura des kers, hein. Non, je crois pas qu'il y aura de kers, hein. Sanglant. Peut-être. Bah, il y aura des créatures qui seront vachement dégueu, hein, et creepy. Genre les doppelgangers, ils sont vachement flippants. Les... Il y a quoi d'autre? Les mérégons, c'est creepy aussi. Les bergers de la mort aussi. Je sais pas si vous vous souvenez. C'est les gars qui arrêtaient pas de raise les squelettes. Pas de cœur. Hein. Bah peut-être je mettrais un perso qui tient un cœur, à la limite. Il y a un zombie aussi. Donc zombie, il pourra avoir arraché le cœur de quelqu'un. Pourquoi pas? À voir. Vas-y, je vais le noter. Je vais l'oublier d'ici 5 minutes. Je vais mettre un cœur. Voilà. Cœur. Tu sauras que c'est pour toi, Néo, du coup. C'est le zombie qui a arraché mon cœur. Il est où mon schmilblick? J'ai loupé des bestioles dégueux. Eh ben, là, tu pourras pas les louper. J'ai dégoûté mon collègue avec l'araignée ce matin. Il voulait pas la regarder. J'étais en mode, mais regarde-la!
Regarde, je l'ai fini. Le cœur mignon. Ah non, non, on sera dans le cœur arraché, attention. Ce sera pas... Après, il y aura des persos mignons. Enfin, genre, tu vois, ça, je trouve ça mignon, quand même. Un petit dévoreur d'intellect. Un cerveau qui bouffe des cerveaux, c'est super mignon. Finalement. Salut, Victor, ça va ? Victor, il monte jamais sur le bureau. Il doit pas avoir le droit chez lui. J'oublie des mots. Parce qu'il monte pas sur les meubles. Il est bien éduqué, ce chat, par rapport au nôtre. Ouais, les humanoïdes dégueux. Ouais, c'est plus creepy, je comprends. Bonne nuit, Suki. Mais tu peux, hein, Néo, t'inquiète. C'est ton jouet, hein, joue avec. T'inquiète. Tu es l'âme de Wizbot. Il y en a une qui a le cœur dans le réfrigérateur. Et la modératrice qui a son âme dans un bot. Tout est normal ici. Puis on a Gail qui mange des bottes. Mais ça n'a rien à voir. Touk, touk. Ah ! J'ai fait un caca. Hop là, y'a plus. Et ben c'est bon, the end. Ma palette de gouache qui était tombée, oui, oui, oui. Ça va. Hop, voilà. Bah il est mignon, je crois. Il est crochu. J'aime bien. C'était drôle en vrai à colorier. Aussi cool à colorier qu'à dessiner. Après, il aurait été encore plus beau avec les couleurs de Us. Mais je voulais pas particulièrement faire Us. Us, je la réserve peut-être dans les personnages plus que dans les monstres. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est un personnage unique et elle ressemble pas aux autres. Elle a pas les mêmes couleurs et tout. Voilà. Magnifique. Nickel. Et ben voilà, ça c'est fait. Un tendre, oui. Tac. Et ben écoutez, voilà. Je serais bien restée un peu plus longtemps, mais j'avoue, j'ai les yeux explosés. Je pense que je vais aller m'enlever des écrans, parce qu'avec la piscine, ça m'a... Et bah écoutez, en tout cas, bon courage pour votre choix de battle. Et puis on se retrouve samedi, ça va passer vite. Je sais pas dans quoi on ira pour le dalk, mais on fera le dalk en tout cas, donc on dessinera des doodles dans un fond. Donc je vais choisir un colo qui a beaucoup de fond et très peu de colo. Voilà, et on fera ça tranquille. Et comme samedi dernier, on dessinera si jamais on termine un petit peu plus tôt. Voilà, et demain vous avez le nouveau vlog. Et vendredi, vous avez la vidéo sur les mystères. Et les façons de faire les mystères. Donc je vais être là toute la semaine en fait. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Oui, merci encore pour la battle. Merci à vous. Allez, à samedi.